Alors notre but là, c'est de regarder un petit peu, de trouver des mycéliums. Expliquons-nous deux secondes. Les champignons tels qu'on les entend dans le vocabulaire courant, ce sont en fait les parties productrices de spores. Ce qu'on trouve, ce qu'on ramasse sous le nom de girolles ou de cèpes à la saison, d'accord, ce sont en fait des organes massifs qui sont porteurs de spores généralement méiotiques, hein, basidiospores ou ascospores. Et c'est ça qu'on mange. Mais ces organes, il faut se rappeler qu'ils sont faits de filaments enchevêtrés, qui forment ce qu'on appelle des faux tissus, hein, c'est-à-dire que par enchevêtrement de tissus, de filaments, on arrive à avoir quelque chose qui est à la fois massif et puis qui a des structures un peu élaborées au niveau vraiment tissulaire. Mais c'est quand même des filaments. Et en fait, cette partie-là n'est qu'une partie du champignon et les filaments qui la constituent sont le prolongement de filaments qui sont eux plus diffus en général dans le sol et qui forment le mycélium. En fait, la partie que l'on ramasse, qu'on appelle fructification, on dit des fois aussi carpophore ou sporophore. Alors c'est pas très astucieux parce que c'est pas un fruit, mais enfin quand même, c'est un peu comme le fruit d'un arbre. Je veux dire, on est entouré de châtaigniers ou de... Vous connaissez les pommiers, bon bah... Les châtaignes et les pommes, ça se récolte à une certaine saison, mais c'est transitoire et l'appareil végétatif, c'est l'arbre qui est dessous. Mais quand on a une pomme, on ne peut pas rater l'arbre. Quand on a un champignon, en fait, les gens ratent tellement l'appareil végétatif que pour eux, ils le résument à ça. Et un des enjeux en enseignement, c'est de faire passer l'idée qu'il y a des mycéliums. Et ça, on peut les montrer. C'est vrai qu'on les monte plus facilement quand il fait moins sec qu'aujourd'hui. Mais un des endroits où il fait sec le plus tard, c'est sous le bois, sous les morceaux de bois. Alors j'ai ici un morceau de bois qui a bien pourri, hein. C'est une pourriture blanche. Voilà. Et cette pourriture blanche qui est complètement, donc, vous voyez, eh bien il y a dessous, quand on ouvre un peu, on va trouver des mycéliums. Regardez. Alors, on va trouver deux sortes de mycéliums. On va trouver des mycéliums sous forme de cordons. Ces cordons, c'est typique de choses que l'on trouve sortant du bois. C'est un mycélium ordonné où les filaments forment des assemblages qu'on appelle donc cordons ou rhizomorphes. Rhizomorphes parce qu'ils sont en forme de racines. Donc, on va faire passer ce petit endroit où j'ai à la fois du mycélium en cordon et du mycélium diffus. Vous voyez que le mycélium, il peut être soit fait de filaments microscopiques, mais assez densément disposés pour qu'on les voit, ça fait comme du coton très fin, soit éventuellement il y a des mycéliums organisés. Alors mycélium, c'est le nom de cet appareil végétatif fait d'un ensemble d'ifs. Et je rappelle que if, ça vient d'un nom neutre en grec, et qu'en français, n'en déplaise aux gens qui veulent foutre des e entre des points dans les mots, il y a une règle qui dit que le neutre, il est masculin en français. Il y a cette odeur de champignon, un peu comme quand on coupe un champignon de Paris. C'est le moment de parler de cette odeur. D'abord, cette odeur, elle est intéressante parce que quand on la sent dans un échantillon où on ne voit pas de champignon, ça montre quand même qu'il y a du champignon. Et là, il faut que vous vous interrogiez là-dessus. En Occident, on est quand même des empotés des sens. Hein. On utilise la vue et c'est tout, quoi. Mais les goûts et les odeurs sont extrêmement indicatifs. Nous reverrons en Auvergne, on goûtera des eaux différentes. On verra les effets de métabolisme microbien juste en goûtant. Donc, il y a, vous aurez comme enseignant à développer un petit peu la capacité à utiliser les goûts et les odeurs pour comprendre. Et en l'occurrence, eh bien, quand on prend du sol, on a des odeurs différentes qui s'exhalent. Alors, je vais prendre du sol là par là. Voilà. Qu'est-ce que ça sent là? La terre. Ça sent la terre. Non mais, alors... Tout le monde rigole parce que c'est évident vu que c'est de la terre. Oui, mais la terre, c'est un composé qu'on appelle la géosmine qui donne cette odeur. Okay. Et la géosmine est un produit d'actinomycètes. L'odeur de terre, c'est l'odeur des bactéries qui sont dedans. Et d'ailleurs, la géosmine diluée, c'est ce qui fait l'odeur de pluie. Vous savez, quand il va pleuvoir et qu'il y a une légère dépression, l'air sort du sol en entraînant cette odeur. Quand il a plu, il y a encore de l'air qui sort du sol parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée dedans et ça donne cette odeur de pluie, quoi, ou d'avant-pluie ou d'après-pluie. Bah, c'est ça, dilué. Donc voilà, la mise en évidence de microbes, elle peut être olfactive et la mise en évidence de champignons, elle peut être olfactive aussi parce que des fois, ça sent le champignon. Lesquels? Alors,
dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle de l'octénol. Et c'est un composé traumatique, c'est-à-dire que c'est un composé qui est le résultat d'un traumatisme au niveau cellulaire. En l'occurrence, c'est l'acide arachidonique qui se retrouve oxydé lorsqu'il y a un dégât cellulaire, okay, qui donne une petite moitié volatile qui est de l'octénol. Alors, octénol, ça veut dire qu'il y a une insaturation et une fonction alcool sur une molécule à 8 carbones. Qui est donc un résultat de... Bon. Alors, vous connaissez plein de composés qui sont libérés par... quand l'acide arachidonique est un petit peu emmerdé. Hein. On pense à l'hexanal, par exemple, qui est libéré quand on tond une pelouse. C'est l'odeur de pelouse fraîchement tondue. Et on sait très bien que cette odeur-là, elle attire souvent les parasites ou les parasitoïdes, d'accord, des insectes qui mangent de l'herbe. Pourquoi ? Bah parce qu'elle est aussi libérée quand il y a des herbivores qui attaquent la pelouse. Vous y êtes ? Donc, c'est des molécules qui peuvent avoir des rôles biologiques. Est-ce que l'octénol a un rôle biologique ? Quand je ramasse des feuilles mortes, hein, j'ai sous une première couche de feuilles très reconnaissable, je commence à avoir des feuilles et ici des aiguilles qui sont entourées de blanc. Vous le voyez ce blanc ? Alors vous allez pouvoir faire tourner. Je vais le faire tourner plutôt par là, voilà. Vous voyez cette espèce de poudre blanche là ? Enfin, c'est pas une poudre, c'est un coton blanc. Mais quand on regarde au microscope, on voit très très bien, enfin au microscope ou à la loupe, hein, on voit très très bien les filaments, les ifs. Et ça veut dire qu'avec un échantillon comme ça, ben vous montrez du mycélium à des élèves. De même que c'est facile de montrer les animaux du sol, la vie du sol, c'est pas quelque chose, c'est pas une abstraction, c'est quelque chose qui peut se voir. Bien sûr, il faut parfois un peu changer d'échelle. Et ça, c'était un des grands obstacles pour comprendre ce qui se passe dans les sols et que les sols sont vivants, évidemment. Mais effectivement, c'est très... Quand on s'y prend bien, on peut en montrer. Et même, vous voyez, quand il fait pas bon. Alors, entendons-nous, dans les conditions de sécheresse, ce mycélium, il est à moitié crevé. Quand il refera humide, certaines cellules vivantes referont des filaments. Mais il est toujours là. Et il est diffus. Alors... Alors, j'aimerais maintenant faire une expérience de pensée. D'abord parce que ça va nous permettre de parler comme dans les SP un peu. Heureuse toi, ignore ce que sont les SP. Alors, vous savez que très souvent on trouve les champignons en rond ou en arc de cercle. Ouais. On parle de ronde sorcière. Alors je suis désolé, on ne va pas y voir parce que c'est des rondes carpophores, mais quelque part ils nous jalonnent le mycélium. Et En prairie, vous avez souvent des champignons en cercle. En forêt, c'est plutôt souvent des arcs de cercle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obstacles, vous allez voir, qui ont rompu la logique vraiment circulaire. Alors, quand vous voyez un rond de sorcière, mais là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, il faut, en forêt, il faut gratouiller parce que vous avez trouvé le mycélium sous les carpophores et vous allez voir qu'entre les champignons que vous ramassez, il y a du mycélium sur tout le cercle et pas au-delà et pas en dedans. Surtout l'arc de cercle. Alors, expliquons deux secondes cette logique de croissance circulaire. Pourquoi les champignons sont-ils sur un cercle ? C'est-à-dire pourquoi les carpophores, les fructifications sont sur un cercle et aussi pourquoi le mycélium lui-même dessine un cercle. On y est ? Il grandit vers l'extérieur. Mais ça devrait faire un disque. Oui, mais si tu grattes, je te dis, le mycélium, tu vas le trouver vraiment que sur un cercle. Un peu plus large, évidemment, que le rond de champignon. Mais... Alors, pourquoi à l'intérieur, il n'est plus là ? Puisque si je te crois, il y a été. Il a grandi à partir du milieu, mais il y a un front de croissance et un front de mort. C'est une disparition. Pourquoi ? Il a exploité les ressources au centre. Moi, j'aime bien cette histoire-là, parce que d'abord, ça m'explique que bah, petit à petit, si vous voulez, il a mangé la fraction de la matière organique du sol qu'il devait manger, puis il meurt. Voilà. Ça m'explique la forme, mais ça me raconte aussi un truc. Tout le monde pense que dans la nature, les espèces sont construites pour économiser les ressources. Et... Mais non, voilà un truc qui est en train d'épuiser son milieu.
Et il court vers l'extérieur, et l'extérieur c'est quoi? C'est qu'à un moment, paf, il va se prendre un arbre. Donc là, il arrêtera de grandir parce qu'il n'aura rien à manger. Paf, il va se prendre la haie au bord d'un champ et il va mourir. Vous y êtes? Les espèces qui n'épargnent pas leur milieu, qui n'économisent pas leur milieu, qui n'ont pas un développement durable, en tant qu'individu ou population, ça existe en nature aussi. L'homme n'est pas anormal de ce point de vue-là. Simplement, l'homme, il peut prendre conscience de ça, mais c'est pas un truc contre nature. Oui. Donc ça, c'était un point philosophique par rapport à la forme du champignon. Mais faisons moins philosophique, hein. Enfin philosophique, pour recentrer les choses sur une vision de la nature heuristique, opérationnelle. Dans la nature, il y a des machins qui... Voilà, hein. Il y a récemment une population de singes qui a été décrite, qui bouffe des coquillages, hein, et dans certains coins, ils en bouffent tellement qu'ils ont sélectionné... Enfin, les coquillages sont en moyenne plus petits que sur le reste des côtes. Oui, et ils continuent à bouffer les petits coquillages, et ils continuent en fait à... Vous avez vu ce rhizomorphe? Alors le rhizomorphe, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que là, c'est une forme d'exploration. Après, il s'accroche au bois, il fait une espèce de petite papille élargie, vous la voyez la papille élargie là? Et cette papille élargie, c'est ce qu'on appelle une palmette. La papille élargie, c'est le moment où les filaments constitutifs du cordon vont redevenir diffus. Et au niveau de la petite palmette qu'il y a là, c'est une espèce de petit élargissement, quoi. C'est un delta, en quelque sorte, de filaments, vous y êtes. Au niveau de cette zone d'adhérence, là, et où ça s'élargit, le mycélium redevient diffus, et il devient diffus à l'intérieur du bois. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des champignons qui font des cordons et d'autres pas? S'ils mangent quelque chose, une ressource qui est diffuse, ben, il suffit qu'ils aient une croissance diffuse. Quand vous mangez des feuilles mortes, un mycélium diffus suffit à aller de feuille en feuille. Mais là, on est sur... Vous avez, depuis tout à l'heure, pour trouver des cordons, je soulève du bois. C'est du bois, ça, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Parce qu'en fait, c'est sous le bois qu'on envoie. C'est des cordons qui ressortent et qui vont explorer le milieu pour retrouver d'autres morceaux de bois. Alors, pourquoi est-ce qu'une croissance diffuse ne suffirait pas? Je veux dire, on pourrait imaginer que le champignon qui est dans le bois envoie des filaments dans le sol dans toutes les directions. Alors, c'est pas optimisé, oui, mais c'est surtout, quel est le risque? C'est qu'à faire de la biomasse d'exploration continuellement tout autour, il va arriver à faire 50 cm dans toutes les directions, et puis, ben, il trouvera rien, éventuellement, et il va crever. Alors que s'il fait des cordons dans quelques directions, et paf, il trace, et les cordons, vous voulez, certaines espèces, hein, vous les suivez sur 10-15 mètres. Hein. Bon, il faut y aller doucement. Mais on les trouve sur 10-15 mètres, hein, c'est pas des mensonges. Alors, le nombre exact, ça va être dur, mais beaucoup, environ. Mais on en verra en coupe, et tu verras, on en verra en coupe en TP, hein. C'est plusieurs centaines. Ouais. Pour que ce soit visible à l'œil nu. Donc, quand les ressources sont discontinues, vous envoyez un ou deux axes, vous allez explorer un ou deux axes, ok. Et là, en forêt, quand vous faites un mètre, vous retrouvez du bois mort. D'accord. Donc il faut comprendre que les cordons, ce sont des mycéliums structurés qui correspondent à l'exploration de ressources discontinues. Conséquence de tout ça, on a vu qu'il y a des mycéliums structurés en cordons qui vont explorer pour retrouver des ressources discontinues comme des morceaux de bois. On a vu qu'il y avait des mycéliums diffus qui grandissaient par l'extérieur et qui éventuellement mouraient à l'intérieur et qui faisaient des ronds. Mais vous voyez la taille que ça fait à la fin? Des rondes sorcières, on en connaît qui ont plusieurs mètres de diamètre. Des cordons, on en connaît qui parcourent 5, 6, 10 mètres. Vous voyez que quelque chose qui est microscopique dans toutes ses parties et qui est un microbe dans toutes ses parties peut finalement peser 10, 15, 20, 100 kilos. Voire même, on a des forêts qui sont occupées par des clones de champignons formant des cordons qu'on appelle des armillaires. J'en reparlerai tout à l'heure. On a des fois des forêts de plusieurs hectares, c'est le même individu, et la masse de cet individu est estimée à 1000 à 5000 tonnes. Vous y êtes? Et donc, que dire de la longévité? Le temps de faire tout ça, il a fallu que ça grandisse. Alors, il y a un truc très simple à faire, et ça peut se faire sur une pelouse de lycée.
c'est de prendre un rond de sorcière, de le mesurer, et de mesurer d'une année sur l'autre sa croissance. Vous allez trouver une croissance radiale de 5 à 20 cm. On va dire 10 pour faire simple. 6 par an. Radiale. Donc, ça veut dire que comme ça grandit par les deux bouts, ça fait 20 cm de diamètre par an. Ça grandit de tous les côtés. Bah, si le machin il fait 1 mètre, il a déjà 5 ans. S'il fait 2 mètres, il a 10 ans. Enfin bon, vous ferez les calculs, hein, mais vous pouvez faire des extrapolations assez intéressantes qui montrent que c'est à la fois gros et longévif un champignon. Même si c'est un microbe, parce que la plupart du temps, ses parties sont invisibles. Encore que d'ailleurs. On est quand même à la limite du macrobe. On va regarder un petit peu de rhizomorphes ensemble. Enfin, on va commencer à les regarder, et notamment ceux de l'armillaire couleur de miel. C'est elle. Alors l'armillaire couleur de miel, quand on déterre des fois, quand on gratte le sol, j'ai essayé de le faire aujourd'hui, mais il n'y en a pas beaucoup dans la parcelle où on travaille, on déterre des espèces de gros machins noirs, qu'on pourrait penser être des racines, mais quand on les secoue et qu'on les regarde, on voit une structure qui est typique du mycélium, des divergences et des convergences. Ça fait un réseau. Parce que les rhizomorphes, ils se divisent, ils refusionnent, ils font à l'échelle d'un groupe d'ifs ce que les ifs font pour entretenir la continuité du système. Et vous voyez que ça, ça fait des réseaux avec des divergences qui refusionnent. Ce n'est pas des racines. Mais ça ressemble tellement, des fois. Ceux qu'on a vus, nous, ils étaient blancs, alors il n'y avait pas de doute. Mais il y a des fois des trucs où vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est que cette racine? Ben, c'est un rhizomorphe. Alors, voilà un morceau de bois où il y a du mycélium d'armillaire. Voilà ce que ça donne en une semaine. Vous voyez qu'ils commencent à faire des rhizomorphes qui poussent, qui commencent à explorer le milieu. Et puis, alors, bon, là, ils ont été rabattus tous dans la même direction. Voilà ce que ça donne au bout de 3 mois. Vous voyez, c'est ces rhizomorphes qui poussent. Et là, il y a du mycélium diffus. Alors, souvent, quand on déterre des rhizomorphes, on peut. Et, bon, on n'est pas vraiment dans les sols où on voit ça, mais des fois, on voit des rhizomorphes. Si on les suit, on voit ce qu'ils bouffent. Vous y êtes? On voit qu'ils connectent des ressources entre elles. Voilà typiquement ce qu'on a quand on soulève un vieux tronc et qu'on a de la chance. On a des rhizomorphes blancs, on peut en avoir des jaunes. On en a eu un tout petit peu des jaunes, hein. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Puis on a les gros rhizomorphes noirs qui font des anastomoses, là, de l'armillaire. Donc ça, ça se montre facilement. Nul endroit ne permet de montrer tout, et probablement pour les rhizomorphes, on est dans le genre d'endroit pas sympa. Hein. Pas grand-chose à voir. Bon. On a vu autre chose. On a de la pourriture alvéolaire, par exemple. Donc on fera des coupes de ça en TP, hein. Je ne vous les montre pas, mais je vais juste les montrer pour la caméra. On voit très bien, quand on fait une coupe, qu'il y a des assises périphériques à gros filaments. On voit ces filaments-là. Des gros filaments qui sont incrustés de mélanine et qui sont protecteurs, tandis qu'à cœur, il y a des filaments plus dilacérés qui ont plutôt un rôle conducteur. Donc c'est vraiment, vous voyez, non seulement c'est structuré à l'œil, mais dans ce cas-là, il y a des tissus différents, des tissus protecteurs à l'extérieur et des filaments allongés qui forment un tissu conducteur de ressources nutritives à l'intérieur. Vous y êtes, et donc c'est un organe, puisqu'il est fait de tissus différents. Vous êtes vraiment à un niveau d'organisation qui est le niveau d'organisation de l'organe, même plus du tissu, puisque vous ajoutez des tissus différents. Alors, vous avez reconnu la plante que nous étudions maintenant, c'est effectivement un rubus, c'est une ronce, et cette ronce présente, c'est ça se voit très couramment ça, hein, des taches rouges à la face supérieure. Il y a plein de feuilles comme ça qui sont maculées de rouge. Qu'est-ce qu'on voit quand on retourne? Ben, on voit que dessous la tache, elle est violet-roux. Et quand on regarde à la loupe, pour ceux qui n'en ont pas, là j'ai un superbe échantillon. Qui est malheureux là? Bon, tiens, il y a une malheureuse derrière qui va te parasiter aussi. Qu'est-ce qu'on voit qui fait que c'est d'un violet plus soutenu? Il y a bien sûr le rougissement de la feuille, mais il y a quoi encore? Un amas. Un amas de quoi? Moi, je les vois presque à l'œil nu. Enfin, il y a 15 ans, je les voyais à l'œil nu. Maintenant, je fais semblant, mais... Qu'est-ce qu'on voit? C'est d'une poudre de
spores noires. Alors, vous avez ici un champignon parasite de la feuille qui ne tue pas les tissus. D'accord ? Donc, il est biotrophe, exactement. Hein, bio, vivant, trophe, fine, manger. Donc, il mange sur des tissus vivants. Par contre, ces tissus, on va y revenir, sont modifiés. Et en dessous, il fait des spores. Bon, de toute façon, les champignons parasites, hein, ils passent leur temps à faire des spores. Pourquoi ? Leurs hôtes sont discontinus, il faut qu'ils changent d'hôtes. Et puis aussi, ils sont discontinus dans le temps. La feuille, elle va crever. Bien, donc effectivement, hein, on est d'accord, ils sporulent beaucoup pour compenser la faible probabilité de retrouver un hôte. Or, ils doivent changer d'hôte. Et donc, il y a un phénomène qu'on appelle de compensation parasitaire qui fait que les parasites surinvestissent toujours dans la reproduction. Bien, mais ça, c'est une histoire de parasites. Maintenant, regardons la plante elle-même. On a dit qu'elle n'était pas malade. Alors, néanmoins, elle a des symptômes. Hein. Elle est rouge. Pourquoi les tissus sont rouges à l'endroit où il y a le champignon ? C'est la réaction. Une réaction de défense, mais encore. Quelle défense ? Et pourquoi c'est rouge ? Non, c'est pas une réaction hypersensible où les tissus sont nécrosés parce qu'ils sont vivants. C'est pas cette stratégie qui fait une zone noire, brune, où la cellule meurt. Non, là elles sont vivantes. Elles ont accumulé quoi qui est rouge ? Des pigments qui peuvent être quoi ? Soit des tanins du genre anthocyane, d'accord ? Soit ça peut être des carotènes. Comment on fait la différence entre carotène et tanin ? Pardon, carotène et anthocyane ? Les carotènes, leur couleur est stable, quel que soit le pH. Qu'est-ce qui se passe avec les anthocyanes ? À pH acide, elles sont rouges. À pH neutre, faiblement basique, elles sont bleutées, mauve bleutées. Et à pH très basique, elles deviennent vertes. Et si on laisse longtemps en pH basique, elles deviennent vertes irréversiblement, mais l'oscillation rouge en un milieu acide, bleuâtre en milieu basique, elle est réversible. Alors vous pourriez faire l'expérience, hein, vous pourriez montrer ça hein, très facilement avec une solution faiblement basique et une solution acide, du vinaigre blanc quoi. Vous verriez que ça change de couleur. Donc ce sont bien des anthocyanes. Les anthocyanes et les tanins en général sont stockés où dans la cellule ? Dans la vacuole. Vous y êtes ? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi l'accumulation de tanins, et notamment de tanins colorés comme les anthocyanes, je fais large, hein, pour moi, les tanins, c'est tous les polyphénols, donc les anthocyanes sont des tanins. En quoi ça emmerde le champignon ? En quoi c'est une bonne réponse à un agresseur ? Donc, je repère une chose, c'est que alors même que tout le monde sait très bien que les tanins, c'est pas bon pour les herbivores, c'est pas bon pour les pathogènes qui attaquent la feuille. Personne pour l'instant ne sait dire pourquoi. Donc on va régler ça plus tard. On va admettre que les tanins, et notamment les tanins colorés comme les anthocyanes, sont un peu antifongiques. Cela dit, on repère que là, pour le coup, ça n'empêche pas le champignon de se développer et de former ses spores avec succès. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais d'accord, mais s'il a formé des spores, c'est qu'il se nourrit avec succès. S'il est biotrophe, et que les tanins et les anthocyanes protecteurs sont dans les cellules. Il ne rentre pas dans les cellules, il ne les tue pas. Donc est-ce qu'il relâche les tanins ? Non. Donc on voit ici une défense qui est accumulée en vain. C'est une bonne défense dans le cas général, bien que vous ne sachiez pas encore pourquoi les tanins protègent, mais on voit que la défense ici, la réaction de défense, ne sert à rien. Dans ce cas précis. Parce que précisément, le pathogène, il est présent, il allume les défenses, mais ben, il ne laisse pas les cellules. C'est un peu... Enfin, il faut abîmer les cellules pour que les tanins sortent. Vous y êtes ? Bien, alors j'ai ici un exemple de parasite biotrophe avec la rouille de la ronce. On reverra ça. Et on donnera son nom latin. Hein. C'est un champignon qui appartient au groupe des rouilles. Alors, il s'appelle comme ça en général parce qu'ils font des spores orange. Mais là, avant l'hiver, ils font des générations de spores dont la paroi est imprégnée de mélanine. C'est un composé noir et très résistant qui endure la paroi et qui va faire de ces spores des spores qui vont lui permettre aussi de passer la mauvaise saison. Elles vont tomber par terre, passer la mauvaise saison et germer pour redonner immédiatement des spores, des basidiospores en l'occurrence, qui réinfecteront
les autres de la suite du cycle. D'accord ? Trifragmium, rubis. Alors, on le reverra en TP parce qu'on regardera ces spores de près et vous aurez ce nom ce soir. Est-ce que tout le monde a vu donc cet exemple de parasite biotrophe, ok, et aussi de réaction de l'hôte? Voilà. Alors, vous avez vu ici, vous pouvez prendre ces feuilles-là qui sont toutes blanchies. Ce sont des feuilles de chêne. Est-ce qu'elles sont mortes? Non, elles ont l'air vivantes. Et vous allez faire un tour de magie avec vos petits doigts agiles. Tout le monde en a? Est-ce que des petits doigts agiles, je veux dire? Oui? Personne n'ose plus répondre. Alors, vous allez gratter la surface de la feuille. Vous grattez la surface, qu'est-ce qui se passe? Le blanc s'en va, il faut gratter un petit peu avec l'ongle. Le blanc s'en va et on voit apparaître des tissus qui sont vivants et verts. Alors, c'est notre deuxième exemple de parasite biotrophe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les blancs. Les blancs, ce sont des parasites qui sont hors des tissus. Ils sont en surface de la feuille, d'accord? Et du coup, sur ce blanc du chêne, qui s'appelle Erysiphe alphitioides, le blanc du chêne, il va être uniquement sur les feuilles de petits chênes qui sont pas trop, vous voyez, qui sont un peu protégées par la végétation ambiante, ou les branches basses. Vous ne le trouverez jamais au sommet, parce qu'à vivre sur la feuille, il risque de sécher. Et c'est un vrai problème pour les jeunes chênes. Pour les vieux, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, les jeunes, là, ils sont parasités. Et ce parasitisme est encore biotrophe. On le reverra quand on regardera des images un peu plus tard en salle pour voir à d'autres échelles les observations qu'on a faites sur le terrain. Et vous le reverrez d'ailleurs en travaux pratiques. Vous verrez que les filaments sont en surface et qu'ils pénètrent dans les cellules épidermiques. Donc la couche de cellules superficielles, il y a des filaments qui pénètrent sans... Ils pénètrent la paroi de la cellule, mais en repoussant la membrane. Donc la cellule ne meurt pas. On devine que quand on frotte, on devine que les tissus sont un peu plus jaunâtres que les tissus ordinaires. Il y a aussi des tanins un peu jaunes qui ont été accumulés. Mais comme la cellule n'est pas rompue, là non plus ces tanins ne peuvent pas importuner le champignon. Alors il y a une deuxième chose qui est intéressante sur ce champignon que je vous propose d'analyser maintenant, c'est la différence de forme entre une feuille non parasitée et une feuille parasitée. Alors, c'est quoi les différences majeures? La taille. Bon, on comprend que celle-là se développe moins bien. Ensuite, la forme. Vous voyez qu'elles sont de forme beaucoup plus réduite. Ouais. Et elles ont une tendance à être un peu plus épaisses. Et là, on touche du doigt quelque chose qui est une règle générale importante. C'est que les parasites biotrophes, parce que c'en est un, modifient souvent la forme de leur hôte. Cette modification est à mi-chemin entre une modification symptomatique, c'est-à-dire qui résulte de la maladie, et aussi une déformation qui est une manipulation parce qu'elle réoriente, d'accord, le fonctionnement du partenaire vers des fonctions ou un mode de fonctionnement qui favorise le parasite. Est-ce que j'ai tout le monde? Bien. Donc, la question, c'est ce garçon-là qui fait plein de sport. Alors, je vais essayer d'agiter un pied, on va voir s'il y a de la fumée qui sort. C'est pas sûr. On va voir. Fait de la fumée? Non, pas trop. Mais en tout cas, dans ce qui est blanc en surface, il y a plein de sports, mais ce n'est pas des sports bien résistantes. Ça fait de la multiplication. Comment passe-t-il la mauvaise saison? Alors, lui, il a une autre. L'oïdium du chêne, il a une autre stratégie qui est encore plus cruel pour la plante, si j'ose dire, c'est qu'il va rentrer dans les bourgeons et il va utiliser la stratégie de passage de la mauvaise saison de son hôte pour passer la mauvaise saison et il sera aux premières loges à la saison suivante pour coloniser les feuilles. Vous y êtes? Bon, il fait aussi des spores d'attente par ailleurs, mais on va oublier ça. Il y a un peu de spores d'attente qui vont être formés, qui vont attendre par terre. Mais l'essentiel, c'est de rester sur l'hôte, parce qu'ici, l'hôte, il est pérenne. C'est bon ?
Donc on a résolu encore ce problème de multiplication et de passage à mauvaise saison, qui sont les deux grandes discontinuités, discontinuité des hôtes et discontinuité dans le temps de la présence des parties parasitables. Et on a vu donc un deuxième parasite biotrophe. Alors je pense que là, on a notre stock de biotrophes, on va se calmer sur ces exemples, on en a deux, c'est plus qu'il nous en faut. Ces parasites biotrophes, maintenant, que nous dit la génomique de leur contenu génétique? Et ça va répondre à la question de Dorinda. La question de Dorinda qui était de savoir comment ils font pour modifier éventuellement la forme. Quand on séquence les génomes de blanc, d'oïdium, donc qui sont des ascomycètes, ou de rouille, qui sont des basidiomycètes, on s'aperçoit que, allez, vous allez me dire si ça vous paraît logique. 1. Ils ont très peu, par rapport à d'autres champignons qu'on verra plus tard, leur arsenal de gènes détruisant les polysaccharides, la lignine, la cellulose, les hémicelluloses, les polymères végétaux d'une façon générale, leur capacité à détruire les polymères végétaux est réduite. Normal ou pas? Ils ne détruisent pas leur hôte. Deuxièmement, leur capacité de biosynthèse de vitamines, d'acides aminés, de tout un tas de molécules est réduite. Logique ou pas? Oui, ils vivent sur une usine à métabolites qu'ils exploitent continuellement. Donc, alors là vous dites, c'est normal, ça me rappelle mes cours. L'évolution vers le parasitisme s'accompagne souvent d'une régression de toutes les fonctions que l'hôte remplit et qu'on ne remplit pas soi-même. D'accord ? Donc jusque-là, c'est logique. Mais il y a autre chose. On s'aperçoit que ces génomes sont pourris de tout petits gènes qui font des peptides de 10 à 50 acides aminés. Alors, je m'arrête un instant. D'un point de vue technique d'annotation du génome, ça a été la pagaille, parce que normalement, quand on annote un génome, on cherche, on dit qu'une protéine, ça fait une centaine d'acides aminés au moins, ou une cinquantaine d'acides aminés au moins, donc chaque fois qu'on trouve des zones qui pourraient être lues par la machinerie de transcription de la cellule, on regarde si elles sont assez grandes pour être une protéine. Et si c'est petit, on jette. Donc au début, on est passé à côté, parce que c'est des séquences sur le génome qui sont très petites, puisqu'elles correspondent à des protéines très petites. On appelle même ces protéines très petites des peptides. On dit peptides, parce que protéines, on réserve ce nom pour quelque chose de plus gros. Ces peptides, ils ont deux caractéristiques. La première est d'être petite, la deuxième est d'être sécrétée. Et d'ailleurs sécrétée par des voies qui n'ont rien à voir avec le réticulum et la voie sécrétoire habituelle. Non, ils portent un motif RXR et ça les fait sortir de la cellule par la membrane. Donc ils sont synthétisés dans le cytoplasme et ils se barrent comme ils peuvent, quoi. Ok, ces petits peptides, sécrétés, c'est leur nom, d'accord, on va les appeler comme ça maintenant. Ces petits peptides sécrétés, quand ils sont sécrétés, ils vont où? Eh bien, ils vont dans l'hôte. Et là, ils modifient l'expression génétique, ils modifient le fonctionnement de certaines enzymes. Ils font d'ailleurs qu'un certain nombre de gènes de résistance de l'hôte sont intracellulaires. Vous savez que les gènes de résistance reconnaissent des éléments de l'attaque par le parasite, et c'est quand même un peu bizarre, quand on a un champignon qui ne rentre pas dans la cellule, qu'un certain nombre de gènes de résistance qui reconnaissent des produits de l'invasion soient intracellulaires. Ah ben oui, mais non. Le parasite, le paradoxe, il est résolu. Moi, quand j'étais à votre place, personne ne comprenait ça, et c'était un des grands mystères. Ben non, mais c'est compréhensible, parce qu'il y a des peptides qui rentrent. Et donc, une des façons de devenir résistant à un parasite biotrophe, c'est de reconnaître ce qu'il envoie dans les cellules comme un signal d'attaque. D'accord? Donc, en fait, il y a une reprogrammation complète, et ça répond à la question de Dorinda, à savoir, une partie de la modification que vous observez, ce n'est pas la réponse de la plante, c'est la modification de la plante, notamment par les petits peptides sécrétés. Alors, je dis notamment, parce qu'il peut aussi y avoir des productions d'hormones végétales par le champignon, qui peuvent amener à des modifications. Mais il y a donc tout un arsenal de trucs qui vont modifier l'hôte, et l'un d'entre eux, c'est ces petits peptides sécrétés. Et dans le génome, donc, de mes parasites biotrophes, pour revenir aux caractéristiques génétiques, il y a, en plus d'une régression, une explosion
du nombre de petits peptides sécrétés. Il y a donc aussi une évolution progressive, c'est-à-dire complexifiante. Alors, c'est important, hein, parce qu'on a tendance à dire, oui, il y a d'évolution simplificatrice ou d'évolution complexifiante. Ok, mais souvent, il y a un mélange des deux, et après, le ratio des deux n'est pas le même. Je suis d'accord que là, il y a plus de régression que de complexification. Mais il y a quand même encore une place pour la complexification. En sorte que, on ne peut pas dire qu'une espèce soit régressive ou complexifiée. C'est une partie de ses traits qui peut être caractérisée de régressif ou de complexifier, mais il y a toujours un mélange des deux. Alors, nous sommes rentrés dans un peuplement où il y a du châtaignier. Et le châtaignier va nous permettre d'illustrer une autre stratégie parasitaire. Alors, vous remarquez qu'autour de vous, il y a beaucoup de châtaigniers morts. Il y en a par terre, hein, du bois de châtaignier. Si vous regardez par là, vous voyez que vous avez énormément dans la canopée de châtaigniers qui sont morts. Hein. C'est complètement moribond. Vous avez vu ça? Et il y a des châtaigniers entiers qui sont morts. Alors j'en ai un là, par exemple. Voilà. Celui-là, il est mort en entier. Ça va? Alors qu'il y a des fois... il n'est pas mort en entier, et je me mets de nouveau ici, voilà, sous celui-là, il n'est pas mort en entier, c'est le haut qui est mort. Donc j'ai deux types de châtaigniers morts, j'ai ceux qui sont bel et bien morts, et ceux qui sont morts par le haut. Et ça renvoie à deux invasions parasitaires. Alors, parlons deux secondes du châtaignier. Il y a une discussion actuellement là-dessus, mais quand même... Pour l'essentiel, il semble que ce soit une introduction à partir de l'est du bassin méditerranéen par les Romains. C'est une espèce introduite. Bon, il y a quelques pollens au mauvais endroit, à la mauvaise date, dans certaines tourbières qui font qu'on se demande s'il n'y en avait pas un peu avant, mais en tout cas, il n'y en avait pas autant. Et le châtaignier, qui est très utilisé parce qu'il fait des pousses qui toutes droites, ça fait des piquets, il fait des châtaignes, enfin c'est un arbre, c'est une bénédiction hein, cet arbre-là. Il a été rattrapé par des pathogènes qui étaient dans son aire d'origine ou sur des châtaigniers d'Asie. Et au cours du XXe siècle, c'est une catastrophe, quoi. Vers les années 1900, il s'est introduit un Phytophthora. Phytophthora, c'est un champignon du groupe des oomycètes, donc on est plutôt dans les otérocontes, hein, qui fait pourrir les racines en une poudre noire. On va parler de l'encre du châtaignier, parce que les racines noircissent. D'accord ? Alors ça va dévaster les plantations de châtaigniers, ça va être un peu la cata, quoi. On va quand même arriver à replanter des chênes résistants, bon, mais il y a toujours de l'encre. Et quand j'ai un châtaignier qui est mort depuis le pied, comme celui qui est derrière vous, eh bien, bon, sans doute il est mort de l'encre. La maladie est maintenant devenue endémique. C'est plus une épidémie, mais elle est là. Ça va? Donc ce champignon-là, il tue les racines, il les bouffe, et puis bon, bah, après il finit de les manger. Et c'est vrai que quand vous le trouvez sur le tard, vous dites, tiens, ça profite. Ah oui, mais il ne mange pas quelque chose qui est mort, il mange quelque chose qu'il a tué. C'est donc un parasite nécrotrophe qui mange quelque chose qui est mort. Il y a un deuxième parasite, bon, qui n'est pas vraiment nécrotrophe, vous allez voir, qui mange surtout le cambium, qui s'est introduit à partir des années 50. Ce parasite qui s'est introduit dans les années 50, c'est le chancre. Il y a eu l'encre, puis le chancre du châtaignier. Alors, je vais vous en montrer des chancres. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un champignon qui bouffe le cambium. Puis quand il a fait le tour, ben, ça meurt au-dessus. Et c'est ce qui explique les houppes qui sont mortes. Mais très souvent, ça fait un symptôme visible qu'on appelle un chancre. Alors, on va tout de suite en voir des chancres. Je vais me mettre sous un pied, là-bas. Et vous allez regarder en hauteur, il y a des zones renflées où l'écorce est toute éclatée. Là, le bois est en train de crever. Et quand ça aura fait le tour du tronc, ben, il y aura un problème au-dessus. Ça va? Alors, bon, là, c'est compliqué parce que ce truc-là survit quand même pas très longtemps après la mort des tissus. Mais enfin, il tue quand même. Ces parasites nécrotrophes, eux, ils ont souvent des gros arsenaux d'enzymes. Ils ont des génomes qui rappellent plus ceux des saprophytes, car finalement, ils finissent leur vie en
comme des saprophytes, à manger de la matière morte. D'accord? Maintenant, j'aimerais qu'on discute deux secondes. C'est quoi la bonne stratégie? D'être biotrophe ou d'être nécrotrophe? Tout dépend de l'espèce. Tout dépend du parasite. D'accord. Ah ben, on se dit qu'effectivement, si un truc est nécrotrophe, c'est que ça marche pour lui. Si un autre truc est biotrophe, ça doit marcher pour lui, ça c'est sûr. Non mais c'est quoi? Ça dépend de l'autre? Non mais par exemple, on va voter. Qui pense que c'est mieux d'être biotrophe? Ouais, j'en ai, allez, une douzaine. Qui pense que c'est mieux d'être nécrotrophe? Non mais attends, ça veut dire que... Alors là, tout le monde veut être gentil avec les plantes et pas les tuer. Hein. Remarquez, pas les tuer, mais leur faire des grosses feuilles déformées. Bon, les amis, tout ça, c'est une question piège. C'est juste pour vous ennuyer, parce que certains ont commencé à protester, là. Non, mais s'il y a les deux, c'est que les deux sont sélectionnés. Donc on doit trouver un scénario qui fait que ce polymorphisme peut exister. Chaque fois que vous observez un polymorphisme, d'accord ? Ben, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution, sinon c'est elle qui aurait envahi le monde, et donc il n'y aurait pas de polymorphisme. C'est qu'il y a au moins deux facteurs tels que, quand j'améliore l'un, j'abîme l'autre. Quand j'améliore l'autre, j'abîme l'un. Je m'explique. Quel est l'intérêt d'être biotrophe? Ben oui, l'autre il continue à vous approvisionner en tout. Et d'ailleurs, on a vu que dans le génome, il n'y avait plus de gènes de biosynthèse, d'acides aminés, de vitamines, de plus rien du tout. Donc vous avez une ressource qui continue de se développer, elle est beaucoup plus durable. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette ressource? Se laisse faire? Elle se défend. Elle accumule, elle produit des toxines et des tanins. Et donc, si vous voulez, il y a quand même des défenses qui devront être gérées. Et ça... le champignon parasite, il va devoir gérer les défenses d'un autre vivant. Alors que s'il est mort, est-ce que l'autre se défend encore? Non. Donc les ressources deviennent finies, mais d'un autre côté, au moins, il n'y a plus de toxines, il n'y a plus de tanins, il n'y a plus de saloperies. Et puis en plus, il mange tout. Il ne mange pas simplement les intérêts, il boulotte le capital, pour le coup. Donc il mange beaucoup plus. Vous y êtes? Donc finalement, on voit qu'il y a des intérêts dans les deux stratégies. Il y a des stratégies intermédiaires, d'ailleurs, mais qui n'optimisent pas complètement chacun des intérêts, du coup. Il y a des champignons qui sont d'abord biotrophes, puis nécrotrophes. Mais ils ne font guère qu'empocher les intérêts au départ d'une des stratégies, puis de l'autre après. Et donc ils sont moite-moite, mais au total, si vous voulez, quelle que soit la stratégie choisie, on ne peut pas optimiser simultanément la durabilité de la ressource et sa capacité à faire plein de bonnes choses, comme quand il y a des tissus vivants, et le fait que la ressource ne se défende plus. C'est l'un ou l'autre. Venons-en aux parasites biotrophes. Vous vous souvenez, on les a vus, hein, avec ces formes de feuilles un peu déformées par l'oïdium ici sur le chêne, l'oïdium ou blanc du chêne. On a vu ces feuilles qui sont un peu déformées, un peu plus épaisses, un peu moins grandes. Mais quand on frotte, on voit les tissus en dessous à peu près normaux. Ils sont verts, parfois ils ont accumulé un petit peu des tanins, et notamment des flavonoïdes un peu jaunâtres, mais... Les tissus, ils sont normaux. Hein. Même là, il y a des accumulations de choses un petit peu violettes, peut-être des anthocyanes. En tout cas, le champignon s'en moque. Pourquoi? Parce que lui, d'abord, il est posé sur la feuille, dans ce cas-là. Et il fait d'ailleurs de très nombreuses spores. Vous voyez, là, avec les chaînettes de spores. Bon. Et quand je gratte tout ça et que je colore en bleu avec un colorant du champignon, donc je gratte tout ça, donc j'ai plus que les grandes cellules épidermiques, vous les voyez là? Et bien, ça me donne un truc comme ça. Voilà les grandes cellules épidermiques. Et je vois à l'intérieur une expansion du champignon qui est en forme de papillote. Alors, vous connaissez les papillotes réveillons? Ben voilà, ça fait un espèce de grand corps avec des petites moustaches. Ça, c'est quelque chose qui est pénétré dans le cadre de la cellule, dans la paroi de la cellule, mais qui n'a pas franchi la membrane. Regardez. Ça repousse, cette structure repousse la membrane de la cellule et sert de suçoir. C'est le nom technique, ou ostorium, du latin aurire, voler, piller,
Et ça sert de suçoir ou haustorium, c'est-à-dire que ça prélève des ressources. Ça va ? Dans une cellule vivante. Alors, dans une cellule vivante, puisque la membrane est complètement en place. Et tant que la membrane est là, la cellule n'est pas percée. Donc c'est intracellulaire au sens de la paroi, le cadre pariétal, donc le cadre pectocellulosique, hein, mais pas intracellulaire vraiment au sens topologique. Oui. Regardez ici, on a du bois pourri. Est-ce que tout le monde a pris ce bois pourri qui est par terre là? Un bois pourri et blanc. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire l'analyse de ce morceau de bois? Me raconter qu'est-ce qu'on peut en tirer? Tu prends ça dans la main. Alors, il y en a plein là, le jour du concours, vous aurez du bois comme ça disponible dans les collections. Hein. Donc, tu prends ton morceau de bois. Et tu me dis, qu'est-ce que tu peux tirer de l'analyse de cet échantillon par rapport à un bois standard? Il est friable. Dans le sens de ses fibres. Oui, alors on va revenir là-dessus, mais il est fibreux, quoi. Ouais. On dit parfois pourriture fibreuse. Encore. Qu'est-ce qu'on va tirer de cette densité? Alors léger, oui, alors c'est peut-être que le morceau est petit. Hein. Mais en fait, il est moins dense. Pourquoi il est moins dense? Bah, il manque peut-être des parties, oui, mais elles sont où? Manger, c'est-à-dire, je veux dire, le truc qui les a mangés, il est encore dedans. Donc, normalement, ça devrait être aussi lourd. Il a respiré, vous y êtes. C'est ça qui fait que dans une chaîne trophique, avec 10 kg de ressources, vous produisez 1 kg de consommateurs. C'est qu'il y a ce qui n'est pas mangé, bon bah c'est les restes, et là où il y en a des restes. Mais il y a aussi un problème de ce qu'une partie de ce qui est absorbé et même absorbé au niveau, vous voyez, des cellules, va finir respirer. Et ça, ça donne de quoi? Du CO2. Donc c'est cette perte de densité, ça peut être une façon de mettre en évidence la notion de recyclage. Alors, on verra d'ailleurs que ce sont des champignons. Donc, une autre chose qui peut avoir fait perdre de la masse, c'est que même la biomasse de champignons qu'ils font, ils peuvent l'exporter sous forme de filaments qui vont grandir ailleurs. Donc, il y a aussi eu de l'exportation de biomasse, mais il y a de la respiration. Et puis, alors, terminons là-dessus. Est-ce que ça a la couleur du bois standard, ça? C'est comment? Ah ouais, c'est plus clair, c'est plus blanc. On dit d'ailleurs pourriture blanche, même si c'est un blanc pas immaculé. Hein. Alors? Qu'est-ce qui va rester du bois là? D'abord, c'est quoi le bois à la base? Lignine et cellulose. Je rappelle les deux caractéristiques de ces molécules. La cellulose pour commencer, parce que c'est simple. C'est un polymère tout simple fait de glucose, 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 glucose à la chaîne. Polymère répétitif et souple. Est-ce qu'on est d'accord que c'est souple, le papier est un bon exemple de ça? C'est de la pure cellulose et c'est mou. Bon. La lignine, quant à elle, est un raidisseur qui va s'imprégner dans la paroi et qui est un polymère non répétitif fait de phénylpropanoïdes. En fait, c'est des tanins polymérisés, pour parler plus simplement. Les phénylpropanoïdes sont des tanins, ce sont des phénols. Et cette polymérisation va créer une sorte de résine, mais elle met en place des liens qui sont extrêmement variés. On va voir pourquoi après. Donc, c'est un polymère non répétitif. Et là, qu'est-ce qui est parti? La lignine. Alors, ça, c'est donc qu'il y a un champignon qui a fait ça. C'est obligé, parce qu'il n'y a que les champignons dans les écosystèmes terrestres, et aquatiques d'ailleurs, qui peuvent digérer la lignine. On parle de verrou écologique, quand un groupe taxonomique est le seul à réaliser une fonction écologique. Mais peu importe. Là, quand je vois ça, je suis sûr que c'est des champignons. D'accord? Alors, ces champignons-là, ils sont donc ligninolytiques, ils détruisent la lignine, et donc la pourriture que j'ai, je peux l'appeler fibreuse, je peux l'appeler blanche, je peux aussi l'appeler ligninolytique. Tout ça, c'est synonyme. Tout le monde a déjà vu de la pourriture blanche comme ça, je pense. Alors, le champignon qui fait ça, en fait,
il va manger la cellulose. Mais il a commencé par la lignine. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il est seulement lignolytique. Alors, bon, il peut d'ailleurs se faire piquer sa cellulose avant d'avoir fini de la manger, hein, mais il fait l'un puis l'autre. Et je vous montrerai d'ailleurs quelques images un peu plus tard en zone tropicale. Ça se passe tellement vite que ça fait des trous dans le bois. Ça fait juste des trous parce que les deux sont mangés l'un puis l'autre, mais très très vite. Bon, alors dis-moi, on revient là-dessus, ces fibres. Alors pourquoi ça fait des fibres? Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce qui fait que quand j'ai retiré la lignine, le bois fait des fibres. Vous y êtes? Essayons de lier le processus chimique au débit obtenu. Alors, on parle de microfibres, hein, parce qu'on est à d'autres échelles. Oui, c'est vrai, les molécules de cellulose, elles sont allongées, glucose, 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 et éventuellement, les glucoses entre eux font quoi? Donne-moi ta main. Des ponts hydrogènes. Et donc, vous avez des molécules de cellulose qui sont côte à côte, allongées dans le même sens, et qui font des microfibres. Est-ce que ce sont les microfibres qu'on voit ici? Ou des paquets de microfibres? Non, parce que tes microfibres ne sont pas toutes déposées dans la même direction. Vous savez que dans la paroi, ces microfibres sont mis en place par de gros complexes, de grosses protéines qui sont dans la membrane de la cellule et qui se déplacent en vomissant un groupe de molécules de cellulose qui vont s'assembler en microfibres. Et ces gros complexes qui synthétisent la cellulose, ils se déplacent le long de rails qui sont de l'autre côté de la membrane dans la cellule, qui sont les microtubules. Et donc, ils se déplacent linéairement et régulièrement, les microtubules changent de direction. Ce qui fait que quand vous avez mis une première couche en place avec des fibres, des microfibres de cellulose toutes parallèles comme ça, dans la couche suivante, ce seront encore des microfibres parallèles, mais dans une direction un peu différente. Puis la minute d'après, dans une direction encore différente. Donc l'idée, c'est que vous faites un contreplaqué avec des microfibres de cellulose qui sont toutes parallèles dans une des plaques, mais qui ont des axes différents dans chaque plaque. Et ça va être génial, parce que par où qu'on tire sur la cellule, il y aura une des plaques où on tirera sur les fibres dans l'axe, donc ce sera résistant, mécaniquement. Et Dieu sait qu'on tire sur la paroi, puisqu'elle est souvent sous pression du contenu cellulaire. Et donc, il n'y a pas de direction préférentielle. Donc, il est vrai qu'à certaines échelles, la cellulose est en microfibre, mais ce ne sont pas elles qu'on voit. Ce n'est pas la bonne échelle. Alors, c'est très bien d'avoir fait cette erreur, parce que ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est les cellules qui sont allongées. Ouais. Alors, pourquoi, quand je retire la lignine, je sépare les cellules? Parce que c'est ça qu'on voit là. On voit des paquets de cellules, et effectivement, ces cellules sont allongées dans le sens du tronc. La question, c'est en fait... C'est bon? La question, c'est en fait de savoir où est la lignine. Parce que quand comme ça, je saurais qu'est-ce qui se passe quand je la retire. Et où est la lignine? Dans la même moyenne. Dans la même moyenne. Alors, et la paroi primaire, hein. C'est là qu'il y a les 9 dixièmes de la lignine. Il y en a un peu dans la paroi secondaire, mais elle est surtout dans la même moyenne. Bien. Alors, il faut revenir sur comment se met en place la lignine. La lignine, elle se met en place à partir de petits tanins qu'on appelle les phénylpropanoïdes, et ces phénylpropanoïdes sont produits dans la cellule par désaminification d'ailleurs de la phénylalanine. Phénylalanine est désaminée en phénylpropanoïdes par une enzyme qu'on appelle la PAL, phénylalanine ammonialiase, qu'on retrouvera dans le fromage quand on ira déguster du fromage ensemble en Auvergne. Et vous voyez, c'est bon. À ce moment-là, ce sera plus intéressant. Alors, non, mais revenons à ça. Et les monomères, enfin, les unités composant la lignine, ils arrivent, ils sont balancés dehors, donc ils traînent dans la cellule. En eux-mêmes, ils n'ont pas vocation à se lier à d'autres monomères, d'accord? Ils n'ont pas vocation à donner de la lignine. Comment ça va se passer? Eh bien, ils vont rencontrer des enzymes. Alors, tu fais l'enzyme, et cette enzyme va les transformer en radicaux libres. Je vous rappelle que les électrons sont toujours par deux. Faites des électrons, là. Les électrons sont toujours par paire. Ce qu'on appelle un radical libre, c'est quelque chose qui a un électron singulier qui va avoir envie de faire des paires. Donc, je suis un phénylpropanoïde qui n'est pas un radical libre. Je rencontre cette enzyme qui me transforme en radical libre. Et là, évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Faites des paires, là. Ben,
Cet électron, il a tendance, et c'est ça qui fait que les radiocolibres sont très réactifs. Cet électron, il a tendance à aller à faire un couple. Et donc, quand il fait un couple, il en défait un autre. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Allez, c'est parti. Vous voyez se propager une réaction. Alors, c'est le foutoir, parce qu'éventuellement, j'ai pu avoir deux radiocolibres. Allez, hop. Vous y êtes. Vous voyez se propager la réaction, une réaction qui donc est une réaction qui va modifier. C'est pour ça que les radicolibres, c'est pas bon, c'est que ça fout le bordel dans les structures chimiques, qui va modifier tout, qui va relier tout avec tout. Attention, pas que des phénylpropanoïdes entre eux, mais ils ont chopé tout ce qui passait. Ça, c'est une expansine. Ça, c'est une pectine. Ça, c'est une cellulose. Vous y êtes. Et donc, vous finissez par tout prendre dans un réseau de liens, non pas simplement des liens entre les composants de la lignine elle-même, mais aussi des liens qui vont relier cette lignée à tout le reste. Et on comprend que le résultat soit dur. Parce que c'est une résine qui incruste tout. Ça va ? Donc, et on comprend aussi pourquoi elle ne se met pas en place partout. Elle se met en place, un, de façon continue avec le temps, donc plus c'est vieux, plus il y en a. Et c'est vrai que ce qui est mis en place d'abord, c'est la lamelle moyenne et la paroi primaire, la joint intercellulaire, puis ensuite la paroi grandit vers l'intérieur de la cellule au fur et à mesure qu'elle se dépose. Donc les parties les plus internes, plus jeunes, sont moins lignifiées, bien sûr, mais il y a aussi cette histoire que tout dépend de où sont les enzymes qui lancent le processus. Vous y êtes ? Et donc, au bilan, à la fin, on arrive à ce que la lignine soit surtout dans la partie de la paroi qui est la plus entre les cellules. Du coup, quand je retire la lignine, qu'est-ce qui se passe ? Je fragilise le lien entre les cellules. Et donc, ça va se casser entre les cellules. Parce que la paroi secondaire, elle est très peu lignifiée. Donc, quand il n'y a que, je le rappelle, 10% de la lignine dedans. Donc, quand je retire la lignine de ça, je ne déstabilise pas réellement cette paroi. Est-ce que tout le monde m'a suivi ? Donc évidemment, on a compris pourquoi c'était fibreux. Et au passage, je vous signale qu'il y a des méthodes pour faire de la pâte à papier. Parce que la pâte à papier, c'est du bois délignifié. Les délignifications chimiques sont rapides, mais très polluantes. On a des effluents où il y a des restes de tanins chlorés, des phénols chlorés, enfin des cochonneries. Alors que là, il y a zéro effluent. Par contre, le temps que le bois pourrisse, oui, ça va moins vite. Donc c'est une méthode très peu polluante pour faire de la pâte à papier. Dites-moi, en fait, de pâte à papier... ça, c'est de la pâte à papier. Hein. Vous pouvez faire du papier avec ça, si vous voulez. Il y a des recettes sur Internet. Hein. Vous prenez du bois pourri. Vous le congelez un bon coup avant pour bien tuer tout ce qu'il y a dedans, comme champignons et autres. Et puis, vous triturez. Voilà. Vous pouvez faire du papier, si vous voulez. Pour Noël, vous pouvez faire vos cartes postales de vœux sur bois pourri. Bien, donc j'ai ici montré les champignons de pourriture blanche. Et vous vous doutez que quand on regarde leur génome, y a plein d'enzymes pour faire ce travail. Ah oui, mais lesquelles ? Détruire la cellulose et tous les autres polysaccharides de la paroi, c'est pas un problème. Hein. Vous avez des molécules qui sont très homogènes. La cellulose, c'est glucose, glucose, glucose. Une enzyme peut très bien reconnaître le lien entre deux glucoses et le couper. Mais quelle enzyme est capable de reconnaître les liens du genre n'importe quoi qu'il y a entre un phénylpropanoïde et ce qu'il a chopé ? Je rappelle, hein, une expansine, une pectine, une cellulose, un autre phénylpropanoïde, c'est complètement non répétitif ce polymère. L'enzyme, elle ne peut rien reconnaître, c'est jamais pareil. Alors comment elle fait l'enzyme ? Les enzymes non spécifiques, ça n'existe pas trop, il te faut un site... T'as un site catalytique, il faut que ce site catalytique s'approche de sa proie. Oui, et qu'il la fixe. Hein, et donc là, tu peux pas... Pas les liens, mais au sein des... Ah oui, tu voudrais couper les cycles aromatiques. Oui, mais alors attends, il y a un autre problème. Est-ce que ton enzyme peut rentrer dans ce bordel où t'as des liens dans tous les sens ? Et il a quand même une certaine taille, ton enzyme. Quand elle arrive dans cette paroi où tout est relié, tous les composants sont reliés entre eux, est-ce qu'elle peut rentrer ? Donc on sent que le dispositif qui a détruit la lignine n'est pas enzymatique. Et là, c'est là que ça chauffe. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on vous allez découvrir un dispositif un peu marrant où il y a bien une enzyme, mais c'est pas l'enzyme qui fait le boulot.
Et la deuxième chose, c'est que vous avez touché à un truc qu'on ne connaît pas bien dans le détail, parce que je vais vous raconter une histoire qui va ressembler à une autre histoire que vous connaissez, mais qui ne va pas avoir la même conclusion. Qu'est-ce qu'elle fait, l'enzyme ? Elle fait des radicaux libres. Les enzymes qui décomposent la lignine sont des enzymes qui font des radicaux libres. Ces radicaux libres sont des petites molécules qui, elles, peuvent rentrer dans la paroi. Et quand elles sont dans la paroi, comme c'est des radicaux libres, et bien elles commencent à faire des conneries. Elles commencent à faire des réactions radicalaires qui se propagent. Ce que je ne pourrais jamais arriver à vous expliquer, et que personne ne sait m'expliquer, c'est pourquoi dans ces cas-là, cette réaction va découper des petites molécules qui vont ensuite sortir et non pas faire une polymérisation. Vous avez vu tout à l'heure, nos radicaux libres polymérisaient la paroi, ils faisaient un gros édifice moléculaire. Ici, ça va au contraire libérer des petits morceaux que le champignon va pouvoir manger. Ça va ? Et vous allez délignifier avec des radicaux libres. Qui sont ces radicaux libres ? Ben c'est très simple. Parmi tous les petits morceaux de lignine qui reviennent, parmi tous les petits tanins qui reviennent, certains sont transformés en radicaux libres et repartent à l'attaque. D'autres sont prélevés et nourrissent le champignon. Ceux qui repartent à l'attaque font encore plus de petits tanins mobiles qui diffusent, qui arrivent au champignon, qui en prend une partie et en renvoie certains à l'attaque sous forme de radicaux libres. Ben, l'idée, c'est que quand tu découpes ta lignine, tu vas faire sortir des petites molécules qui portent des groupements phénols. Donc, c'est des tanins, quoi, au sens large. Ça va ? Alors, pourquoi ces radicaux libres décomposent alors que tout à l'heure, mes radicaux libres composaient ? Ça, je ne sais pas vous dire. On touche ici aux limites de ce qui est connu. C'est des dispositifs qui sont très mal connus. Alors par contre, une fois que c'est délignifié, c'est très simple. Il ne me reste que des polymères comme les pectines, les celluloses, les hémicelluloses. En fait, il me reste surtout de la cellulose, d'accord ? Et ça, ça se décompose très facilement. À ce moment-là, le champignon libère des cellulases, des pectinases, des tout ce que tu veux, ases, un peu n'importe quelle enzyme. Et là, ça découpe et ça digère. Donc le deuxième temps est enzymatique, enfin directement enzymatique. Le premier, c'est des enzymes qui font des radicaux libres, qui sont en fait fabriqués à partir des produits de digestion de la lignine. D'accord ? Et vous comprenez que c'est un dispositif quand même un peu costaud, il n'est pas directement enzymatique, et on comprend qu'il ne soit pas apparu de façon répétée dans l'évolution. C'est l'apanage des champignons de pourriture blanche. Et donc je viens de décrire ici un premier mode de vie de champignons qui vit au détriment de matières mortes. Ces champignons que l'on dit saprotrophes, de sapros en grec, les déchets, et trophine, manger. Je viens de recycler la lignine et la cellulose, c'est fort, hein, tout ça avant 10h30, hein, il n'y a même pas 10h30. Et je viens d'illustrer un premier cas de champignons saprotrophes. En revanche, bon, les génomes de ces champignons sont connus et ils sont extrêmement riches, énormément hein, d'enzymes qui font, de gènes pour les enzymes qui vont décomposer les polymères de sucre et d'enzymes qui vont produire les radicaux libres. Il y a un gros arsenal d'enzymes sécrétées, un très gros sécrétome, d'accord, qui est codé par ces génomes. J'ai là une super pourriture blanche, mais faites passer le pourri. Vous allez voir, il y a comme des petits trous dedans. Vous les voyez, les lacunes, là ? Faites passer. Vous voyez qu'il y a plein de... C'est ponctué de trous. On dirait une éponge. Allez, je vous en donne une tranche, là. Regardez, le bois, il est tout mou, en fait. Il est devenu complètement lacuneux. Ce qui se passe, là, hein, c'est que c'est une de ces... Vous les voyez, les trous ? Qui n'a pas vu les trous ? Faites passer les trous. Ça, c'est une pourriture qu'on dit alvéolaire. C'est-à-dire, c'est une pourriture blanche, mais où la ligninolyse est immédiatement succédée de cellulolyse, et du coup, ça vous fait des lacunes. Donc voilà un exemple de pourriture alvéolaire. Elle est un peu plus poussée, du coup. Disons que la cellulolyse arrive plus rapidement après la ligninolyse. Donc c'est mon deuxième type de pourriture, mais qui n'est qu'un sous-type en fait, de la blanche fibreuse, c'est la pourriture alvéolaire, où la cellulose est bouffée très très vite après la lignine, et du coup, ça fait des lacunes, parce que tout est mangé. On est d'accord ? Eh bien...
Ben voilà un arbre dont la pourriture est complètement inhabituelle. Regardez, quand il pourrit, il y a des espèces et on retrouve les branches. Vous y êtes? C'est pas habituel ça. Et ça, c'est un arbre qui a grandi en incluant ses propres branches dans son tronc. C'est un arbre comme celui que vous avez derrière vous, ou celui-là, qui n'était pas élagué. Bon, après, le forestier l'a sans doute élagué à un certain stade, mais vous voyez, à cœur, il y a ça. Et ça, pour faire des planches, c'est pas terrible, parce que ça, c'est un machin qui va... Quand vous faites votre planche, ça va tomber. C'est pas beau, cet exemple d'inclusion de ces branches? Oui, ça mérite la photo, je vais la faire tout de suite. Comme ça, je l'aurai. C'est ouf. Non mais je suis d'accord, hein, c'est génial. Mais il y a encore plus génial sur cet arbre. C'est que là on sent que c'est une pourriture blanche. D'accord? Mais vous allez voir qu'il y a une autre pourriture autour. J'ai ici une pourriture un peu bizarre. D'abord, est-ce qu'elle est blanche? Non. Elle est? Oui, non. Oui, bien. Un peu orange ou rocou ou cinabre cendré, parce que c'est, le nom, c'est brun. Deuxièmement, ça fait quelle forme, les morceaux? Alors attention aux oreilles, là. Et hop. C'est pas les oreilles, après. Ouais, alors, il y a de la poudre parce qu'il y a des insectes. On verra sur les insectes après. Ça se débite en quoi? Les morceaux, c'est quoi? En part de camembert. En part de camembert. Alors, ça, c'est vrai, mais souvent, les gens, ils voient des morceaux comme ça, là. Voilà. Et ils disent c'est des cubes. On appelle cette pourriture une pourriture cubique. Allez, prenez-en, hein, c'est gratuit. C'est pas lourd en fait. Qui veut un cube? Comme à l'époque de vos premiers cubes là. Encore? Ça c'est des trucs qu'on peut pas faire en lycée. Hein. Balancer des trucs dans la gueule des élèves, ça. Vous avez les parents dans la demi-heure. Alors, on retrouve. J'ai encore oublié ton prénom pourtant. Dorinda nous dit c'est léger. Ben, on retrouve cette histoire. Hein. On filme là? On filme. On retrouve effectivement que c'est beaucoup plus léger. Donc, il y a eu de la respiration et de l'exportation par des agents divers. Mais qu'est-ce qui reste du bois ici? Qu'est-ce qui reste du bois ici? On voit les cernes. Oui, on voit encore les cernes, oui. Mais c'est quoi qui reste chimiquement? C'est dur ce qui reste. Bon, alors, c'est un peu affaibli, mais donc qu'est-ce qui reste? La lignine. C'est la lignine. Par contre, on peut se dire qu'elle a été modifiée, parce que par rapport au bois, regardez, bon, admettons que ce soit le bois de départ, c'est quand même roussi. Mais c'est la lignine qui reste. Donc cette pourriture cubique, brune, on peut l'appeler aussi une pourriture, en fonction de ce qui a été dégradé, cellulolithique. Et là, on se dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Dans la paroi, on est d'accord que la cellulose et tous les polysaccharides pariétaux, comme la pectine, sont pris dans de la lignine. Et même dans la paroi secondaire, je dis la paroi secondaire, il y a 10% de la lignification dedans, en gros. Mais il y en a quand même. Donc ça veut dire que quand l'enzyme s'approche de la liaison glucide-glucide, ben elle ne peut pas forcément la découper. Pourquoi? Parce que ça, c'est lié à de la lignine, et qu'en plus, c'est pris dans un réseau où elle ne peut pas se faufiler. Donc on se dit que, d'accord, là, il y a eu cellulolyse, mais comme la cellulose est peu ou prou pris dans un réseau de lignine, les enzymes ne peuvent pas la décrocher et ne peuvent pas circuler dedans. Vous sentez le truc? Donc on se dit, ça ne peut pas être enzymatique. Parce que, bien sûr, on peut détruire la cellulose avec des enzymes, mais pas quand elle est prise dans la lignine. Et deuxièmement, au fait, ma lignine, elle a changé de couleur. Donc elle a été modifiée. Et ça, il faut que je l'explique aussi. Vous y êtes? Alors j'essaie de vous mettre sur la voie du mécanisme, parce qu'il est tout sauf intuitif. Ce mécanisme qui est tout sauf intuitif, il repose aussi sur des radicaux libres. Et oui, et il est la signature de champignons encore. Donc, quand on a une pourriture cubique, là encore, on se dit champignon. Bon, vous voyez qu'il recycle quand même pas mal, finalement, de la matière végétale. Mais du coup, pourquoi c'est radicaux libre, ils réagissent pas
avec la lumière. Alors là, voilà la question un peu emmerdante. La réponse, c'est que c'est très peu étudié. Alors, comment marche la pourriture cubique? Il y a des radicolibes qui sont fabriqués, mais cette fois-ci, c'est des OH points. D'accord? C'est pas du tout... La lignine n'est pas attaquée. Donc, il n'y a pas de résidus de lignine qui pourrait servir à faire des radicaux libres. C'est des ions, pardon, c'est des radicaux OH point. Et ces radicaux, eh bien, pour une raison que je suis impuissant à vous expliquer, et c'est pas faute d'avoir posé la question avec les collègues, mais personne ne sait trop. En tout cas, on sait que c'est eux qui sont incriminés. Comment ils font, on ne sait pas, mais ils dépolymérisent la lignine. La lignine ? Ben, la cellulose, pardon. Oui, exactement. Ils dépolymérisent la cellulose. Et ils abîment un certain nombre de radicaux de la lignine, ce qui change sa couleur. Mais ils ne la détruisent pas. Ils détruisent juste des petites parties moléculaires qui dépassent. Ça change la couleur, mais elle n'est pas exploitée d'un point de vue nutritif. Et ça, surtout, ça détruit la cellulose. Pourquoi et comment ? Ben ça, on n'a pas une finesse chimique aujourd'hui pour l'expliquer. En tout cas, vous sentez que ça résout le problème de savoir comment aller chercher une cellulose qui est liée à de la lignine. C'est des petits radicaux libres qui vont circuler dans la paroi et dépolymériser la cellulose. Et il reste la lignine. Il y a peu de travaux là-dessus, mais il est évident que ça, ce sera mangé par d'autres organismes. Éventuellement, ça aura un long séjour dans le sol, mais ça ne s'accumule pas, hein. Ça finit par être mangé. Donc on a compris quel était le mécanisme, qui est un mécanisme radicalaire. La deuxième chose que je voudrais qu'on comprenne, c'est qu'on comprenne pourquoi ça fait des cubes. Je vais te demander de me repasser 30 secondes ce cube. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, ce n'est pas des cubes, c'est des parts de camembert. C'est-à-dire que ça se délite sous l'effet de quoi ? À quel niveau, pardon ? Au niveau des cernes. Ça, c'est très net, on voit que ça se craquelle au niveau des cernes. Donc ça, ça veut dire que plutôt que des cubes, ce sont des structures arquées. Et après, radialement, ça craque à quel niveau ? Les rayons. Vous savez que dans le bois, il y a à la fois des fibres allongées, et puis il y a un tissage par endroits de grands champs de cellules allongées radialement. Et le raccord entre les fibres massivement allongées dans le sens du bois et celles qui sont allongées radialement, le raccord n'est pas très bon et ça craque à ce niveau-là. Donc si vous voulez, ça va craquer selon les rayons ligneux radio et les cernes. Au niveau des cernes, ça craque au niveau de quel bois ? Ben, il suffit de regarder, hein. Qu'est-ce qu'il y a au bord ? Le bois de printemps, pourquoi ? Les vaisseaux du bois de printemps sont plus grands, donc c'est un bois qui est moins dense et qui va craquer plus facilement. Vous y êtes, donc ça craque ici selon des plans de faiblesse tissulaire qui sont cuboïdes. Enfin, qui déterminent des formes cuboïdes, mais pas vraiment des vrais cubes. L'idée d'une part de camembert me va très bien. Et c'est le moment de raconter deux secondes cette histoire de bois qui est un matériau vivant. Le bois, c'est un matériau qui vit. Il n'y a pas plus mort que le bois. Hein, même dans un arbre vivant, le bois, c'est des tissus morts. Quand on dit qu'il vit, le bois, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, il se dilate quand il s'humidifie, il se contracte quand il sèche, éventuellement, entre-temps, il change de forme. Une des grandes raisons du changement de forme, malgré la lignine qui rigidifie tout, c'est qu'il y a des ponts, on joue au pont hydrogène entre les molécules de cellulose. En période d'humidité, ces ponts peuvent se rompre. Et puis il y a des tensions externes, des poids, des trucs comme ça qui font que ça se déforme. Et quand tu refais les ponts hydrogène en séchant, ben éventuellement tu figes la nouvelle forme. D'accord ? Donc le bois il travaille, comme on dit, c'est juste qu'il change de forme. Et quand il change de forme, ben, ça craque. Et ça craque où ? Ben, quand c'est fragile entre les cellules dans la pourriture blanche, ça craque entre les cellules et ça fait des fibres. Ici, ça craque là où les tissus sont les moins bien raccordés entre eux. Le bois de printemps, c'est la zone de le maillon faible dans une direction, et le maillon faible dans l'autre, c'est le raccord des fibres horizontales et verticales. On a compris ? Maintenant, le dernier point là-dessus, c'est de parler un peu des génomes de ces champignons. Alors, en fait, la pourriture cubique, quand on regarde un arbre évolutif, une phylogénie des champignons, on s'aperçoit que les ancêtres font de la pourriture blanche, c'est l'état ancestral probable, et la pourriture cubique apparaît une bonne quarantaine de fois dans l'évolution des champignons. Mais,
L'inverse ne se produit jamais. On n'a jamais des champignons qui font de la pourriture cubique, qui donnent des descendants capables de pourriture blanche. Et en fait, ça, c'est la grande signature d'une évolution régressive. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de propriétés perdues, c'est facile de les perdre, mais c'est pas facile de les regagner. Vous y êtes ? Eh bien oui, est-ce que le champignon de pourriture cubique, est-ce qu'il a encore toutes les enzymes pour attaquer la cellulose et tous les polysaccharides comme la pectine, les hémicelluloses ? Ben non, puisqu'il attaque ces molécules-là avec des radicaux libres. En fait, quand on étudie les génomes de ces champignons, ils ont perdu une grande partie de l'équipement enzymatique extrêmement diversifié qui caractérise les pourritures blanches. C'est une évolution régressive. Et du coup, c'est facile, ça se produit souvent, mais après, ben, on ne peut pas regagner toutes ces enzymes d'un coup, et c'est rare et inconnu en fait à ce jour de réverser, c'est-à-dire de revenir à l'état ancestral de pourriture blanche. Ça va ? Et alors, maintenant, la grande question se pose, qu'est-ce qui est le mieux ? La pourriture blanche, faire de la pourriture blanche ou de la brune ? Complémentaire, non, parce que je te rappelle que les blanches mangent tout, et les brunes laissent ça. C'est la question piège. En fait, il doit y avoir des avantages et des inconvénients. En réalité, je vais vous dire, les enzymes que vous allez faire pour faire de la pourriture brune, par rapport à celles nécessaires à faire de la pourriture blanche, il y en a bien moins. Vous allez avoir des génomes plus petits, des équipements enzymatiques moindres, c'est moins cher. Vous investissez moins pour attaquer le bois. Alors bien sûr, vous récoltez moins, puisque là, vous n'avez pas récolté la lignine. On s'en fout, la question, n'importe quel économiste vous le dira, la question c'est la différence entre ce que vous avez investi et ce qui revient. Et ça c'est pareil. Enfin c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est dans la même, ça varie dans la même fourchette, ce qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous y êtes ? Ça c'est Ryanair. D'accord ? Et ça c'est Air France. Peut-être parce que maintenant Air France et Ryanair finissent par se ressembler, mais vous y êtes là ? Là c'est cheap, c'est pas cher, les pilotes sont payés comme des chiens, les hôtesses, alors n'en parlons même pas, je ne sais pas si elles sont payées du tout, mais du coup on vend un billet pas cher, mais finalement on fait des marges supérieures à ce qu'on fait en investissant avec un personnel payé et heureux, et en vendant très peu de billets très chers. Vous y êtes ? C'est la même histoire, c'est la question, c'est celle du rendement. Alors maintenant, il y a quand même un petit détail. Quand j'attaque la cellulose, là, je vais laisser dans la lignine plein d'azote qui vient des protéines qui étaient dans le bois. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu, et je ne les récupère pas. Alors quand je fais une pourriture blanche, on est d'accord, je récupère tout, donc je récupère aussi l'azote. Et on s'aperçoit que parmi les nombreux facteurs que je ne vais pas détailler qui font que la pourriture peut être blanche, enfin sera blanche, ou brune, parmi les nombreux facteurs qui avantagent l'un ou l'autre des types de champignons, il y a la richesse en azote. Dans un milieu riche en azote, vous avez pas mal de pourriture brune. Parce que vous laissez l'azote dans le résidu, mais c'est pas grave puisqu'il y a d'azote par ailleurs. Dans les milieux pauvres en azote, vous avez plutôt des pourritures blanches. Ah oui, parce que là, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser cet azote. Donc vous voyez, la richesse en azote du milieu va être quelque chose qui va jouer. Il y a d'autres facteurs. Par exemple, c'est pas pour rien qu'on trouve des pourritures brunes plus sur les conifères, pour une raison que je comprends mal. Ils n'ont pas les mêmes lignines, cela dit, hein, les conifères. Vous savez, c'est des résidus coniféryles et non pas synapiles qui forment la lignine, mais peu importe. Voilà, le bouleau et les conifères, on trouve plus facilement de la pourriture brune. Oui, je voulais savoir, le lien, il peut pas être inverse, justement. Il y a les milieux sont pauvres en azote parce que... Ou alors, il y a toujours des histoires de poules et d'œufs. Mais après, bon, tu vois, tu as des endroits où il se trouve qu'il y a beaucoup d'azote, voilà, et là, tu auras plus de pourriture brune. Tout compris, est-ce que vous pouvez le refaire, le lien azote et brune ? Oui. Quand on fait une pourriture blanche, on mange absolument tout le bois et on va notamment récupérer les quelques protéines qui traînent dans le bois. C'est pas énorme, mais il y en a. Donc, on récupère de l'azote. Quand on fait de la pourriture brune, cet azote reste bloqué dans ce reste de lignine modifiée roussâtre. Okay. Du coup, il y a un avantage aux pourritures blanches quand il n'y a pas d'azote par ailleurs dans le milieu. Tandis que quand il y a de l'azote par ailleurs dans le milieu, c'est jouable de faire une pourriture cubique. C'est plus jouable. Mais c'est très complexe et ça, dans le déterminisme de ce qui avantage les agents de pourriture cubique ou les agents de pourriture blanche, fibreuse,
il y a aussi la nature du bois, il y a plein d'autres paramètres. Okay. Et des fois, il y a aussi des trucs cons comme le premier arrivé. Okay. Et des fois, comme ici. Non, ça, il faut le reprendre. Et des fois, comme ici, on s'aperçoit qu'en fait, le déterminisme est complexe parce que j'ai de la pourriture blanche là, j'en ai là, mais là, j'ai de la cubique. Donc, les deux coexistent côte à côte. Donc, il y a aussi des effets de première arrivée, des fois. Première arrivée, il fait ce qu'il fait. D'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas une pourriture qui attaque plus le duramen que l'autre ? Alors, c'est une bonne question. C'est pas con. Souvent, effectivement... on a des pourritures cubiques moins à cœur, c'est dur à expliquer, mais c'est vrai que le cœur est plus phénolisé. Donc c'est, là, on retrouve l'idée que c'est pas la même lignine. Mais tout ça est mal maîtrisé dans l'ensemble. Hein. Et je pense qu'en dehors de l'azote, il n'y a pas de bonne idée pour vous à retenir. Donc là, j'ai recyclé de plusieurs façons la lignine et la cellulose. J'ai fait 90% du travail, mais il va me rester à recycler les contenus cellulaires. Et vous vous doutez que c'est surtout dans les feuilles. Bien qu'il y ait aussi de la lignine et de la cellulose, qu'on va avoir à recycler ça. On passe aux déchets. On arrive aux champignons, ça profite, qui se nourrissent de déchets. Et parmi tous les déchets, évidemment, le principal en quantité, c'est ces parois végétales formées de lignine et de cellulose. Alors, vous connaissez sans doute la coloration carmino-vert. Dans la coloration carmino-vert, la cellulose est colorée en rose, tandis que la lignine est colorée en vert. Et on voit très bien sur cette coloration-là, notamment dans ce tissu de soutien-là qui est très lignifié, qui est un sclérenchyme, on voit très bien, et vous ferez attention à ça éventuellement sur vos propres coupes, que c'est vraiment la lamelle moyenne et la paroi primaire, le joint intercellulaire, qui sont colorés. On le voit très bien sur cette image-là, parce que la partie lignifiée, il y a beaucoup plus de liens chimiques, parce que la lignine est une sorte d'incrustation dans la paroi. Donc c'est beaucoup plus noir là où il y a de la lignine, et c'est la lamelle moyenne et la paroi primaire, tandis que la paroi secondaire, ici, apparaît plus translucide parce qu'elle est peu lignifiée. C'est en grande partie parce qu'elle est plus jeune. Mais aussi peut-être qu'il n'y a pas les enzymes qui déclenchent la lignification de façon uniforme dans la paroi. Ça va cette idée que c'est donc la lamelle moyenne et la paroi primaire qui sont entre les cellules qui sont lignifiées, que secondairement, la paroi qui se dépose plus vers l'intérieur de la cellule, elle est moins lignifiée. 90% de la lignine est là. Bon, alors maintenant, on va attaquer ça par différents champignons. Et le premier type de champignon qui attaque ça, ce sont les champignons de pourriture blanche. Alors voilà ce qu'on aurait pu voir comme agent de pourriture blanche. Nous avons vu la stérée hirsute. Bon. Cette pourriture blanche, on voit se détacher en fait les cellules, les paquets de cellules allongés dans le sens de du bois. Et quand on regarde au microscope électronique ce que ça donne, eh bien on voit qu'on a effectivement des cassures qui s'opèrent au niveau de la lamelle moyenne et de la paroi primaire qui ont été fragilisées. Ça va ? Donc là, c'est une image cohérente avec le fait qu'on a fragilisé cette zone mitoyenne entre les cellules et qu'on commence à les décoller entre elles. Bien. Alors, comme je l'ai dit, les pourritures blanches sont souvent nommées parce qu'il n'est pas le stade final, mais un stade intermédiaire. Pourquoi ? Parce que le champignon, ensuite, il va manger la cellulose. Et j'avais donné l'exemple d'un type de pourriture blanche un peu particulier qu'on appelle alvéolaire, où le champignon mange tout d'un coup et là, ça fait des trous. Alors, je vous emmène au Brésil. Vous avez un de mes étudiants brésiliens, là, Thomas Figura. La forêt, bon, c'est la forêt atlantique, tropicale, pas exubérante, mais humide. Il y a effectivement beaucoup d'eau et l'activité microbienne est rapide. Et quand on regarde le bois mort, bah il est souvent, comme on l'a vu nous en forêt, mais c'est quand même assez rare en Europe, le bois mort, il est souvent décomposé, la pourriture a l'air vaguement blanche. Hein. Mais en fait, quand on regarde bien, quand on éclate le bois, eh bien, on va voir que effectivement, alors c'est pas facile de faire tout avec une seule main, avec deux mains, quoi, mais donc là, je fais ce que je peux. On voit qu'il y a plein de lacunes dedans, il y a plein de zones complètement alvéolisées, il y a plein de trous, de gros trous. Et vous voyez, c'est plein de cavités. Et quand on presse ça, en fait, il n'y a plus. Vous voyez les cavités là ?
Et quand on presse ça, il n'y a plus de volume, quoi. Hein. Il y a juste de l'eau. Bien. Donc ça, c'est très commun en forêt tropicale. C'est des pourritures blanches où, en fait, le processus de dégradation de la cellulose a lieu tellement rapidement après que ça vous donne des bois qui sont comme des éponges avec des tas de trous partout. C'est assez difficile à photographier, mais là, vous les voyez mieux, les trous, je pense. Au début, on voit qu'il y a la paroi se mide de partout. Elle se fait bouffer complètement et à la fin, il ne reste plus que la lamelle moyenne. C'est marrant, hein? Il ne reste plus que le joint, le mini-joint pectique, le pectine, intercellulaire. Ça va? Bon. Et, comme on l'a dit, on a des enzymes qui vont, à l'aide de centres réactifs à fer, contenant du fer, provoquer la formation de radicaux libres à partir de petits restes de lignine qui vont aller attaquer la lignine, libérer plein de petits monomères, de petits restes de lignine, dont certains vont nourrir le champignon et d'autres vont redonner des radicaux libres qui vont repartir à l'attaque. Ici, l'attaque se fait par des radicaux libres qui sont en fait des petits morceaux de lignine qui vont être activés par les enzymes produites par le champignon. Je crois que c'est vanillique acide. Je ne suis pas sûr. D'accord ? Donc, c'est une réaction radicalaire. Et le champignon, lui, eh ben, il bouffe un petit peu de ces produits formés. Et puis après, quand c'est délignifié, il y a des belles fibres, des belles microfibres de cellulose. Et là, il balance. Ça, c'est une image que vous avez dans votre, dans un ensemble d'ouvrages, hein, de la liste. Vous avez une digestion de la cellulose qui s'opère avec des exoglucanases, des endoglucanases et des enzymes défibrillantes. Bref, vous êtes en train de digérer bêtement, dans un second temps, vous digérez bêtement par des enzymes la cellulose que vous avez libérée. Alors, ce n'est pas du tout ce qui s'opère dans l'autre pourriture qu'on a vue, qui est la pourriture brune, où là, il reste des cubes très lignifiés avec une lignine roussie, qui a été un peu modifié, mais pas altéré au point qu'on ait perdu la relative dureté du bois. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que ces cubes sont en fait, quelqu'un avait dit, des parts de camembert, c'est très bien. Ils s'appuient sur les cernes, notamment le bois, on le voit très bien là, hein, c'est ce bois à gros vaisseaux, ça craque au niveau des gros vaisseaux du bois de printemps, parce que c'est un bois moins résistant, et puis ça craque aussi selon les rayons ligneux. On voit très bien là, vous les voyez les rayons ligneux ? Qui sont ces fibres allongées transversalement et qui permettent de tisser le bois, mais qui sont en contact finalement moins cohérent avec les fibres allongées dans le sens du bois. Donc ça se débite en part de camembert dans le tronc. Quand on regarde au microscope électronique, on voit que le reste, c'est quelque chose où on devine encore la forme des cellules, car il reste en fait un petit peu dense aux électrons. Là, la paroi primaire et la lamelle moyenne, mais rendue très poreuse par le fait que c'est complètement décellulosé de l'intérieur. Mais enfin, il reste la forme des cellules et leur lien entre elles, puisque c'est la lignine qui reste, c'est le joint intercellulaire qui est préservé, même s'il est affaibli. Alors, il est affaibli doublement. Cette image vous montre le profil de la lignine avant et après attaque par une pourriture brune. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'après, il y a des tâches qui manquent, comme celle-là ou celle-là, vous voyez, il y a des tâches qui sont vachement réduites. Ça, c'est une sorte de, c'est une chromatographie bidimensionnelle d'une attaque chimique de la lignine. Vous avez plein de résidus qui sortent, et vous voyez que les résidus qui sortent ne sont pas les mêmes après digestion qu'avant. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que la pourriture brune modifie aussi la lignine. Pas au point de défaire la structure, mais elle enlève des petits radicaux, des petits machins, et ça change la couleur, ça change aussi un petit peu la résistance, mais néanmoins, ce n'est pas une source alimentaire. Alors, du coup, ça veut dire que la lignine est encore présente pendant que la cellulose est décomposée, et donc ça ne peut pas être des enzymes qui rentrent et qui décomposent la cellulose. En fait, vous avez ici des réactions radicalaires qui produisent des ions, qui produisent des radicaux OH point, et ces radicaux, par une réaction chimique qui a été décrite, décolle les petits morceaux, dégrade les liens entre les molécules de glucose, liens qui sont constitutifs de la cellulose. C'est une réaction radicalaire pour la cellulose et dont les radicaux libres, ces fameux radicaux OH point, n'attaquent pas la lignine
Et c'est loin pour moi d'être clair comment ces réactions radicalaires sont dépolymérisantes plutôt que polymérisantes. Et comment aussi, ça c'est pas clair du tout non plus, comment elles s'attaquent que à la cellulose. Quelqu'un a posé la question, pourquoi pas la lignine? Ben voilà. Bon, alors on n'a pas vu trop, on a vu des pourritures brunes, mais on n'a pas vu les champignons qui la faisaient. Il y a un champignon classique qui fait ça. Hein, c'est la mérule du bois, qui est un champignon qui attaque les bois d'œuvre. Donc là, vous avez vu qu'entre les pourritures brunes et les pourritures blanches, ou les pourritures alvéolaires, on a dégradé la paroi et en fait cette lignine et cette cellulose qui représentent 90% de la biomasse végétale. Alors regardez, quelque chose là qu'on voit souvent, les vieux morceaux de bois, ils sont tout noirs. C'est assez bizarre parce que quand je les fends, à l'intérieur, ils sont, ils sont en train de faire une vague pourriture blanche. Vous y êtes? Alors voilà une première chose. Là, j'ai ces noirs, regardez, je frotte. Oh, merveille, c'est blanc dedans. Exactement. Alors, on va aller voir ça un peu plus loin. Il y a souvent ce truc noir qui fait que les vieilles souches, elles sont souvent un peu noirâtres, alors que quand je balourde un coup de pied dedans, à l'intérieur, c'est pas noir. Ouais. Par contre, quand je fais des tranches fines dans cette souche, je m'aperçois qu'il y a des traits noirs à l'intérieur. Alors, ils sont pas très très beaux. Et comme ils sont pas très très beaux, ces traits noirs, je vais vous le montrer sur un bois plus ferme, pour que vous voyez bien, il y a aussi des lignes noires à l'intérieur, enfin des zones noires à l'intérieur, et on va migrer vers un endroit où on a du noisetier, parce que sur le noisetier, ça se voit très très bien. Et qu'est-ce que je découvre? C'est qu'à cœur de ce bois, qui est atteint de pourriture blanche, j'ai des lignes noires. Vous la voyez cette ligne noire là? Ouais, j'en ai même dans ce compartiment là. Regardez. On sent que c'est pas la même espèce. Hein. Là, c'est blanc et mou. Là, c'est noir et pas... C'est noir et plus dur. Enfin, c'est brun et plus dur. Mais regardez, il y a aussi des lignes noires dans le compartiment noir. Enfin, il y a aussi des lignes noires dans le compartiment brun. Et vous remarquez qu'il y a aussi du noir tout autour du bois. Qu'est-ce que c'est que ce noir? Alors, on retrouve ici ce polymère pariétal qui est dans la paroi des filaments de champignons, qui est un raidisseur et qui est la mélanine. Je vous rappelle que les champignons, au moins les eumycètes parmi les champignons, sont un groupe frère des animaux. Ils ont donc aussi un polymère dérivé d'acides aminés aromatiques, pas des aminés, d'accord, comme le tryptophane ou à l'aide. Pas la phénylalanine, non. La tyrosine. D'accord? Donc, ces polymères, nous, on les utilise sous forme de granules intracellulaires pour la pigmentation, celle des cheveux, par exemple, ou des taches de rousseur, vous y êtes, ou des peaux noires. Bon. Les champignons, eux, l'incrustent dans la paroi et ça a le même rôle que la lignine. Rédifiant et imperméable. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez des filaments accumulés qui ont accumulé dans leur paroi de la mélanine et qui font de proche en proche une ligne noire. Est-ce que quelqu'un a de l'eau là? Mon eau par exemple. Donc je vais déposer sous vos yeux ébahis une goutte d'eau sur le compartiment central. Alors regardez, je vais humidifier ce compartiment. Je l'humidifie, d'accord? Et vous voyez que l'eau rentre progressivement dans le bois, mais, alors sauf quand j'en mets à côté, elle rentre, là ça commence à s'humidifier, mais elle ne va pas à côté. Vous y êtes? Donc vous voyez que l'eau ne passe pas. En fait, cette zone, elle est faite d'une juxtaposition de plein de filaments qui ont accumulé de la mélanine. Du coup, c'est une zone qui est un écran complet. Et en fait, ce que vous observez, c'est une ligne de démarcation entre deux champignons,
qui se sont rencontrés, ils se sont reconnus pour ne pas être le même, et en fait, ils séparent leur territoire. Et non seulement ils le séparent physiquement, ce qui fait que le bois de l'un ne sera pas utilisable par l'autre, mais comme ils ont fait cette ligne, les enzymes émises par l'un ne serviront pas à l'autre, et en plus, comme l'eau ne passe pas, chez chacun ses réserves en eau, quoi. Vous y êtes ? Alors ça explique d'ailleurs que des fois on trouve par terre des vieux machins qui ont des formes bizarres. Alors j'en ai pas trop là. Des fois c'est un champignon qui a rencontré de partout d'autres champignons et qui s'est retrouvé complètement emballé dans une ligne noire. Du coup il a plus d'eau, il attend à l'intérieur. Autour le bois se décompose et vous libérez des petits morceaux, des petits fragments de bois qui ont des formes bizarres. Alors, j'ai essayé d'en trouver un. Je ne suis pas sûr d'arriver à en trouver un sur commande. Et puis, il y a aussi le fait que partout autour, le champignon, il reçoit une pluie de spores. Donc, il rencontre plein d'autres champignons autour. Et donc, il bétonne tout autour. Et c'est ça qui fait la surface noire. Il tartine de filaments où il accumule de la mélanine. Mais quand je coupe, dedans, c'est... c'est du bois, oui. Vous êtes d'accord ? Donc, l'idée, c'est que les champignons, en fait, territorialisent. Éventuellement, ils se retrouvent enfermés dans un territoire où l'eau ne rentre plus. Bon, mais c'est pas grave. Quand les autres auront bouffé tout le bois autour, la surface noire affleurera. Il y aura des chocs. Et ces chocs vont détruire la partie superficielle et laisser rentrer l'eau. En fait, c'est un peu la belle au bois dormant. Le mycélium qui est tout entouré de noir, là, il n'a plus d'eau. Et quand le prince charmant arrive, c'est moi. Il ouvre la cage et il permet l'accès de l'eau. Vous y êtes ? Et donc là, ça va reprendre. Donc des fois, cette stratégie territoriale les blinde complètement et va retarder un peu le moment où ils se développeront. Bon. Alors, je termine là-dessus en insistant sur le fait que ces lignes, qui sont donc des accumulations de filaments dont la paroi a accumulé de la mélanine, qui sont donc des lignes de territorialité, se développe entre des champignons d'espèces différentes. On a vu que des fois le bois n'était pas pourri de chaque côté, mais il y a aussi des fois où la ligne se produit. Oh, regardez, là on la voit très bien. En fait, là on a un mycélium au milieu qui est complètement entouré d'une ligne noire. Et lui, pour le coup, il n'a pas trop d'eau pendant que celui-là mange. Vous voyez, là il y en a quelques-uns, comme celui-là, qui sont complètement enfouis à l'intérieur du bois. Et eux, ils pourriront plus tard. Il y a des fois aussi où des deux côtés de la ligne noire, le bois a l'air pourri par la même espèce. Par exemple, là, quand je regarde ici et là, des deux côtés, ça a l'air d'être le même type de pourri. Alors, en fait, il y a des fois où cette reconnaissance se fait au sein de l'espèce aussi. Il faut bien que vous réalisiez que les filaments, quand ils rencontrent un autre filament, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est de fusionner avec. Pourquoi ? Imaginez, je suis un mycélium. Je grandis en faisant des ramifications dans tous les sens. Les vieilles parties meurent. Les ramifications se retrouvent séparées. Je perds la continuité du mycélium. Mais si mes parties qui croissent se refusionnent, je la rétablis secondairement. Donc c'est fait de croissance, de ramification et de refusion. Si jamais vous ne refusionnez pas, vous vous séparez en plein de petites sous-unités et vous perdez la capacité à exploiter différents milieux. Le problème, c'est que quand arrive un individu d'une espèce différente, il vaut mieux pas partager le territoire. Et par contre, quand arrive un autre champignon de la même espèce, alors là, il s'opère un contrôle qui permet de savoir si c'est vous. Il y a un certain nombre de locus génétiques, un certain nombre de gènes, qui existent sous plusieurs formes ou allèles, donc des gènes polymorphes, et qui contrôle la fusion. Si on a les mêmes allèles, on fusionne. Si on n'a pas les mêmes allèles, on fait la ligne noire. Alors, si on a les mêmes allèles, c'est que c'est moi ou un individu génétiquement proche. Mais ce n'est pas grave de continuer à collaborer avec un individu génétiquement proche. Pourquoi ? Parce que même s'il m'exploite, les descendants qu'il va faire, c'est comme si je faisais des descendants. Par contre, collaborer avec n'importe qui, là, c'est dangereux. Parce que s'il se reproduit à mes dépens, moi, je suis contre-sélectionné. Vous y êtes ? Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection de parentèle. En fait, ces dispositifs génétiques réduisent la fusion au cas où les individus sont génétiquement apparentés. Parce que dans ces cas-là, on peut collaborer. Et la collaboration est très forte. Quand deux individus fusionnent,
Ça veut dire qu'ils échangent, ils mettent en commun le bois dans lequel ils vivent, le milieu dans lequel ils vivent, ils mettent en commun l'eau, les ressources, les enzymes. Mais aussi, comme ils fusionnent leur cytoplasme, ils mettent en commun leur jus cellulaire. Mais il y a des fois où, dans une zone noire, j'ai en fait plusieurs individus, mais qui sont compatibles pour la fusion parce qu'ils sont génétiquement proches. D'accord ? Ça veut dire que les cas, la coopération tous azimuts, ça ne marche pas parce que vous risquez d'aider des exploiteurs qui vont se reproduire à vos dépens et donc vous ne serez pas sélectionné. Mais que dans un contexte où on est génétiquement apparenté, ce n'est pas grave. Un exemple de sélection de parentèle, c'est-à-dire de ces mécanismes de sélection qui vont permettre la mise en place de propriétés qui sont possibles uniquement quand on est apparenté. Un autre exemple, c'est moi. En tant que pluricellulaire, toutes mes cellules vont mourir. Toutes. Toutes. Mes cellules de doigts, mes cellules de cheveux, elles n'auront pas de descendants. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce qui, dans l'évolution, a mis en place un tel système qui se développe sans descendance? C'est parce qu'en fait, ces cellules aident d'autres cellules à avoir des descendants qui seront les mêmes que les leurs. Vous y êtes? Et donc, vous voyez que vous avez des processus de sélection qui sont spéciaux quand on est dans le contexte de la parenté. C'est ce qu'on appelle la sélection de parentèle. Et c'est ça, c'est la grande théorie qu'a léguée Hamilton à la science, en plus de la couleur des feuilles en automne. Il a surtout travaillé là-dessus et il a démontré, intuité et démontré que plus des organismes sont apparentés, plus on peut sélectionner de coopération. Moins c'est grave de se faire truander, en fait, par un organisme, un individu avec lequel on coopère. Alors, vous voyez que ça nous donne aussi la forme des mycéliums, ou de petits groupes de mycéliums génétiquement proches, et puis ça nous explique aussi pourquoi le bois est noir. C'est des réactions de territorialité. Bien alors, regardez, là, j'ai un morceau de bois qui témoigne justement de l'encapsulement de un ou plusieurs individus à l'intérieur de lignes noires. Regardez, là, c'est vraiment la surface de l'arbre, mais à l'intérieur, c'est tout à fait différent comme forme. Hein. Tout le monde le voit bien? Tu vois, là, t'as vraiment la forme de l'arbre. Ouais. Mais à l'intérieur, là, t'as une zone... Enfin, c'est complètement bizarre comme forme. D'accord? C'est tout... voilà. Et quand je... Ah, attention, donc, c'est la Belle au bois dormant. Et Prince Charmant. Restauration de l'eau. Et là, maintenant, ça va pouvoir repartir. On a vu des souches noires, on a vu... comment en taillant quelque chose qui était noir extérieurement, on voyait encore du bois en train de pourrir dedans, et puis des lignes noires. Alors on a à la fois des lignes entre des choses identiques, qui sont des bois identiquement pourris, qui sont sans doute de même espèce, et puis des fois on a côte à côte des bois de couleurs différentes, et on se dit que l'agent qui a pourri ce bois n'est sans doute pas de la même espèce. Ces lignes séparent des individus de même espèce, ou d'espèces différentes. Évidemment, tout autour du bois, c'est noir parce qu'il y a aussi cette ligne noire. Alors maintenant, ces lignes noires, il faut bien réaliser qu'elles sont, vous voyez, à la fois des choses qui isolent les flux d'eau. Vous avez ici un compartiment humide à côté d'un compartiment sec. Ça isole la possibilité de circuler pour les enzymes produits par les champignons. Et puis bien sûr, ça répartit entre les protagonistes. Ça sépare aussi le bois. Donc, ces lignes noires qui se mettent en place sont réellement des réactions qui vont territorialiser, limiter l'échange des ressources, de toutes sortes. Alors, vous avez peut-être envie, depuis tout à l'heure, de voir de plus près au microscope à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Nous avons ici des grandes cellules assez claires qui sont les cellules du bois. Et puis, nous avons dans une partie de ce bois, occupant une ou deux cellules du bois, des petites choses noires, plus petites. Ce sont des filaments très serrés. Ces filaments qui sont à touche-tous, ils ont accumulé dans leur paroi de la mélanine, donc ce pigment que les champignons utilisent dans leur paroi pour la rigidifier et qui est très résistante mécaniquement et aussi, pour le coup, hydrophobe, donc qui ne laisse pas passer l'eau. Donc vous voyez qu'en fait, la ligne noire correspond à un tas de filaments de champignons côte à côte. Bon. Alors, il faut bien réaliser que dans la croissance des mycéliums de champignons, il y a non seulement de la ramification, ok, mais il y a aussi de la refusion entre les filaments voisins, et ça permet de rétablir des continuités entre des filaments qui ont divergé d'un filament, d'un if très en amont. On est d'accord? Alors on va tout de suite regarder ces fusions. Vous avez ici, vous allez voir sur ce film, d'un côté là, des filaments qui contiennent un colorant, ok,
leurs filaments ont été colorés et ils sont en train de toucher ici un autre filament dont le contenu n'a pas été coloré. C'est parti, on y va. Et bien, au bout d'un certain temps, la fusion se fait et vous voyez que la coloration s'homogénéise. Voilà, là, on a touché du microscope le moment où se fait la fusion. Alors voilà quelques images de filaments qui se touchent et qui fusionnent parce qu'ils sont compatibles. Vous voyez qu'il y a une vésicule qui passe. Mais là, il y a une image de fusion incompatible. Vous avez deux filaments côte à côte qui ne sont pas compatibles. Ils vont commencer à fusionner, peut-être par là, je ne sais pas bien. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? La paroi commence à accumuler de la mélanine. Et on voit que le cytoplasme commence à contenir beaucoup de vacuoles. En fait, le cytoplasme est en train de s'auto-digérer. De toute façon, quand vous êtes complètement emballé continuellement de mélanine, vous n'échangez plus d'eau, donc il n'y en a pas pour longtemps. Ça va? Autre exemple, deux images que séparent 17 minutes. Un filament arrive sur un autre, il commence à fusionner, mais il se trouve qu'ils sont incompatibles. Et vous voyez ce que ça fait? Un bouchon ici, un bouchon là, et le cytoplasme ici commence complètement à se vacuoliser. Donc vous voyez que quand la plasmogamie est compatible, la plasmogamie c'est la fusion des cytoplasmes, eh bien il y a des échanges, et même si ce n'est pas exactement le même individu, c'est un individu génétiquement proche, ça fusionne et les noyaux circulent. Vous obtenez donc des individus chimères, d'accord? Qui n'ont pas vraiment le même génome entre les différentes parties du réseau, mais ils sont génétiquement proches, puisque je vous l'ai dit sur le terrain, ça ne se fait qu'entre individus de même espèce et génétiquement proches, cette fusion compatible. Quand la fusion est incompatible, eh bien, l'article de fusion, voire d'autres articles voisins, vont mourir en se mélanisant et par répétition de ça, vous allez constituer votre ligne noire comme ça. C'est bon? Alors, ces lignes noires existent chaque fois qu'il y a des contacts et un des cas, c'est les lichens crustacés qui, quand ils poussent, finissent par se rencontrer et vous voyez que vos lichens crustacés, ils font aussi des lignes noires. Des lignes noires entre lichens de même espèce, regardez, là c'est la même espèce, il y a une ligne noire, ou entre lichens d'espèces différentes. Ça va? Et le fameux lichen géographique qui sert aux géologues à repérer les roches siliceuses. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, hein, les roches siliceuses, même quand la silice n'est pas exprimée sous forme de quartz, hein, les roches aphoïdes, il y en a aussi. Eh bien, ce lichen géographique, c'est pareil, il fait comme des espèces de dessins de cartes géographiques, c'est parce qu'il y a des zones noires entre les individus. Vous regarderez bien. OK? Donc, ici, nous étions sur un trait purement champignon, qui est ce problème de territorialité et d'incompatibilité végétative, qui est contrôlé par plusieurs gènes, et il faut être identique à tous ces gènes, et c'est souvent assez dur en plus parce qu'ils sont souvent polymorphes, ces gènes, ils ont plusieurs allèles, plusieurs formes, et il faut être identique pour que la fusion marche. En réalité, la coopération, c'est-à-dire l'échange des ressources du milieu et même l'échange du contenu des filaments, est réduite à la parentèle, c'est-à-dire aux individus apparentés. Pourquoi les feuilles mortes sont brunes? Alors, à première vue, cette question n'a pas grand-chose à voir avec l'ordre du jour, à part que, bon, la feuille morte, c'est quand même un de ces débris qui tombe au sol. Et ce qui est brun dedans, c'est une des choses à manger. Pour des microbes et à recycler d'un point de vue écologique. Mais pourquoi les feuilles sont-elles brunes? Alors, je vous pose la question, pourquoi les feuilles sont brunes? On retombe sur une de ces questions sur pourquoi la vie est la vie, enfin, sur quelque chose qui est très quotidien. Très évidente, si évident qu'on ne pense pas à poser la question. Et la réponse, c'est... Ouais, alors on se doute qu'il n'y a plus de chlorophylle, bon... Carotène. Carotène, c'est pas brun, hein, c'est plutôt rouge-orange. Jaune. Ouais, c'est la merde, hein. Ah, tanin, oui, alors là, c'est un petit peu démerde-toi, hein, tu as tanin. Ok, démerde-toi. Vous vous rappelez que cette année, il vous faut vous faire des réponses construites, c'est-à-dire qui expliquent et qui montre la qualité pédagogique plus encore que la connaissance. Hein. Donc on va entreprendre ça. Parce que, alors, vous allez me dire, il suffit de regarder comment elles sont sur l'arbre, et quand on regarde comment elles sont sur l'arbre, elles sont jaunes ou vertes.
Bon, bah, c'est très bien. On va donc se faire une collection, chacun d'entre nous, d'une feuille brune, une feuille jaune, mais vraiment jaune. Il y en a là-bas ramassé, et une feuille verte. Bon, alors, dites-moi, donc l'évolution de la couleur des feuilles, c'est qu'elles sont d'abord vertes, puis elles jaunissent. Vous savez qu'il y a des espèces où elles rougissent, oui, même, et puis elles finissent brunes. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait cette évolution ? Je fais ici un détour qui est un peu loin des champignons pour bien, en fait, ça me permet de bien comprendre ce qu'il y a dans une feuille brune et le défi que ça représente pour des microbes. Du coup, pourquoi ce changement de couleur-là ? Pourquoi je passe du vert au jaune ? Alors, effectivement, on se dit que si on tire la chlorophylle, ça va être jaune. Cela dit, d'une part, le jaune serait moins intense. D'autre part, quand c'est du rouge, ça ne peut pas être juste le retrait de la chlorophylle. Évidemment, là, je n'ai pas un érable, je n'ai pas un liquide en barre, donc ce n'est pas rouge. Mais néanmoins, quand c'est rouge, on se dit que ce n'est pas le fait d'avoir retiré le vert. Parce que s'il y avait du rouge sous le vert, la feuille, elle serait pourpre, comme pour un être pourpre. Donc, on se dit qu'il y a peut-être des choses qui s'accumulent, en plus du démasquage qui a lieu. Et puis, on ne sait toujours pas pourquoi ça brunit. Bon, avant d'aller plus loin, la couleur, c'est une chose, on va maintenant goûter. Et on va avoir des indices sur le goût. Et on va goûter dans un ordre qui va être celui de goût croissant. Alors, on commence par la feuille brune. Goûter, c'est mâchouiller sur le bout de la langue et recracher. Et puis, on fait un peu passer d'air comme ça, pour faire passer de l'air, pour favoriser la rétro-olfaction. C'est-à-dire faire passer l'air dans l'arrière-nez. Alors ça, quel goût ? Mâchonnez bien. Hein. Amer ? C'est assez neutre, ouais. Deux ? Oh non, mais l'hostie, ça c'est une association d'idées avec le côté sec et plat. Ça, je serais curieux de savoir si Pierre Thomas aurait pu faire cette réponse. Je pense pas. Ça serait sans doute pas venu à l'idée. Si je vous dis un goût de thé, ah, c'est plus ou moins net, mais le thé, c'est des feuilles brunes. Hein. En tout cas, on est d'accord, pas grand goût. Ok, la feuille verte. La verte. Ça a le goût, quoi. Toi, t'es hyper sensible à la mer, hein. Non. Alors, ça a le goût, quoi. Un salade. Mais vous savez, c'est une feuille verte. Hein. Donc, c'est effectivement, c'est le goût de chlorophylle, c'est le goût des protéines de la feuille. Bon, voilà, c'est un goût de feuille, quoi. D'accord. Un peu amer. Qu'est-ce qui se passe? Un peu astringent, me dit-on. C'est-à-dire, tu veux dire quoi, là? Comment ça se passe là, dans votre bouche maintenant? C'est sec, me dit-on. Et passez votre langue sur le palais, vers le bout, là où il y a la feuille, c'est un peu rugueux. C'est ça l'astringence. C'est amer et astringent. Astringent, ça veut dire que la bouche devient rugueuse et avec une impression de sec. D'accord? On retrouve ça sur des vins un peu jeunes, notamment des vins rouges un peu jeunes. On trouve ça sur quoi? Si vous avez déjà mordu un petit peu des prunelles. Vous savez, les fruits du prunellier. Bon, alors maintenant, on prend notre feuille jaune, on la prend bien au milieu et on y va. Alors, c'est comment? Ça n'a plus le goût de salade. Ça a le goût de quoi? De pas grand chose. C'est un peu amer, ouais. Et nettement plus amer. Et puis quand vous crachez, vous avez la bouche toute pâteuse, râpeuse. Ça, c'est de l'astringence fort. Qu'est-ce qui est astringent dans les tissus végétaux? Les tanins. Donc c'est une présence de tanins.
Et là, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, au cours de l'évolution de la feuille, on a un pic d'accumulation de tanins dans cet état-là. C'est bien ce que je disais, il y a des synthèses, et il y a notamment là des tanins qui sont soit rouges, des anthocyanes, soit jaunes, des flavones et des choses comme ça, soit incolores, et il y en a vraiment beaucoup là. Et puis là, ils ne sont plus là. Enfin, ils ne sont plus là, ils sont plus sensibles. Donc on a deux transitions à étudier. On a cette transition-là et cette transition-là. Mais avant d'étudier ces deux transitions, parlons des tanins. On ne sait toujours pas pourquoi les tanins sont mauvais pour les microbes ou pour les herbivores, comment ils protègent les plantes. Attendez, pour l'instant, la question, c'est ces tanins qui nous obsèdent depuis tout à l'heure, parce qu'on en a vu aussi en réponse aux biotrophes, quel est leur rôle? Comment sont-ils antibiotiques ou anti-herbivores? Alors, je rappelle qu'un tanin, c'est quelque chose qui a une ou plusieurs molécules phénoliques, une ou plusieurs parties phénoliques. Un phénol, c'est un cycle basénique qui est très hydrophobe, et puis un OH, une fonction alcool. D'accord? Alors en quoi ça protège des herbivores, ça protège des pathogènes, et puis en quoi ça donne ce côté râpeux en bouche? Alors les tanins, ils ont des phénols, du coup ils ont des parties hydrophobes, tant que ce soit ça, d'accord, et des parties hydrophiles, c'est les OH. Les protéines, elles ont aussi des parties hydrophiles et hydrophobes. Qu'est-ce qui se passe quand je mets un tanin en présence de protéines? Ces parties hydrophobes interagissent avec les parties hydrophobes des protéines. Ces parties hydrophiles interagissent avec les parties hydrophiles des protéines. La liaison peut être réversible, mais le fait d'être très serré pour deux molécules, ça peut provoquer la possibilité de faire une liaison covalente. Vous y êtes? Non, mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils s'attachent réversiblement, voire ensuite covalemment, avec les protéines. Et évidemment, ça déforme les protéines. Donc, ça les dénature, on dit techniquement, et ça les empêche de remplir leur rôle. Alors, quelles protéines vont être empêchées de remplir leur rôle chez un herbivore, par exemple? Les enzymes digestives. Chez un champignon, une bactérie qui attaque une feuille et qui détruit les cellules. Les exoenzymes, c'est-à-dire ces enzymes sécrétées qui vont attaquer les tissus. Du coup, est-ce qu'on peut mettre les tanins n'importe où dans la cellule? Non, sinon ils vont commencer à réagir et à inactiver les protéines de la cellule. Donc il faut les mettre dans la vacuole, cette espèce de compartiment qui est à la fois une poubelle, une réserve pour la cellule, mais bref, où ils ne sont pas en contact avec les protéines cellulaires. Vous y êtes? Vous sentez la logique qui vient là? Votre pelure d'oignon que vous avez étudié en seconde là, et vous avez vu qu'il y avait les tanins colorés, les anthocyanes, dans la vacuole et pas ailleurs. Faut surtout pas les mettre ailleurs. On est d'accord? Elle émerge cette logique, et dans la bouche. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que ça fait des agglomérats, mais de quoi? Des protéines de la salive, mais quelles protéines? Qui font quoi ordinairement? Pas les enzymes salivaires, bien sûr, ça leur arrive, mais c'est pas tellement elles qui expliquent ça. Mais toutes les protéines qui sont lubrifiantes, qui sont d'ailleurs souvent des protéines avec des radicaux sucrés, mais qui sont des lubrifiants. Et ce que vous sentez, c'est votre bouche telle qu'elle est. Alors, non mais plus sérieusement maintenant, venons-en à pourquoi cette impression, tu as dit bouche sèche tout à l'heure, ou bien teste-toi, cette impression de bouche sèche, vous y êtes hein? Est-ce qu'elle est sèche, votre bouche? Non, il y a de la salive dedans. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est très intéressant, ça. Qu'est-ce qui se passe et qui vous donne l'impression de bouche sèche? Alors qu'elle n'est pas sèche. Il se passe la même chose que quand elle est sèche, qui vous donne la même impression, alors vous associez les deux, c'est que vous resalivez. Vous resalivez parce que vous avez un arc réflexe qui, quand mécaniquement vous sentez que ça râpe, vous y allez pour sécréter des protéines qui vont relubrifier et aussi piéger les tanins, parce que c'est aussi l'idée, qu'ils n'aillent pas piéger les enzymes digestives. Vous saisissez le truc? Et donc vous êtes en train tout simplement de saliver, et cette impression de saliver, vous appelez ça l'impression de bouche sèche, car elle est aussi associée à la bouche sèche. Mais elle n'en est pas, c'est pas la bouche sèche qui est la cause de cette impression. Cette impression est la conséquence de la sécheresse buccale. Vous y êtes? Et là vous êtes en train de resaliver aussi.
Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Soit quand le fruit commence à se corrompre, à s'effondrer sur lui-même, ou bien quand on congèle. Mettez un petit peu de lait dans du thé ou du café. Tout de suite, c'est moins... Alors, ce n'est pas très astringent, mais il y a une légère amertume, une légère... Et quand vous mettez du lait dans votre café ou dans votre thé, il est plus doux en bouche. Par contre, on vous dit souvent, c'est moins digeste. Ah oui, parce que vous avez fait un complexe tanin-protéine, vous ne vous sentez plus les tanins, mais ce complexe, il est moins digeste. Vous saisissez cette logique. Et vous saisissez ici une chose qu'on va revoir ensemble sur le terrain quand on sera en Auvergne à travers le sel. C'est que la biochimie, elle est géniale parce que des fois, elle permet d'expliquer plein de choses différentes. Vous avez vu tout ce qu'on a expliqué là? Avec une propriété. Et c'est ça la biochimie qu'il faut enseigner. C'est la biochimie qui libère. C'est celle qui permet de réunir plein de phénomènes dans une seule explication. Donc, vous avez compris les propriétés des tanins, leur anti-appétant. Alors, anti-appétant, oui. Ah ben, anti-insectes, enfin, anti-parasites, anti-herbivores, astringents... stocké dans la vacuole. Bon, cela dit, on a quand même dit une autre chose, c'est qu'ils étaient amers. Hein. C'est un hasard si on les perçoit comme amers. C'est différent, amer de râpeux. Hein. Là, c'est vraiment un goût, l'amertume. Râpeux, c'est une sensation mécanique. Ça passe par les nerfs trijumeaux, alors que l'amer passe par... je crois que c'est le glossopharyngé, mais je ne suis pas sûr. Enfin, c'est une autre voie mécanique, une autre voie nerveuse pour l'amertume, qui est vraiment un goût, l'amertume. Et pourquoi est-ce qu'on perçoit ça comme amer et pourquoi est-ce qu'on n'aime pas avoir la bouche qui râpe? Alors, il y a les gens qui disent « Ah ben, la nature est bien faite, vous voyez, il ne faut pas manger trop de tanins, et justement... » Mais qu'est-ce qui est arrivé à tous ceux qui ne trouvaient pas ça amer et qui n'avaient pas une aversion pour le contact mécanique de l'astringence? Mais oui, ils sont morts de la chiasse. Alors, ils ne sont pas morts en une fois, ils ont eu plus souvent la chiasse, ils sont donc moins bien nourris, et puis ils ne sont plus là, quoi. Et là encore, on retrouve le problème des parties absentes, hein. C'est que dans l'évolution, il y a tous ceux qui ont raté. Et on ne les voit pas, eux, parce qu'ils ont raté. Du coup, ils ne sont pas là pour témoigner de ce que c'est que le ratage. Mais clairement, tous ceux qui n'étaient pas goûteurs, hein, c'est comme ça qu'on appelle la capacité à reconnaître un goût, eh ben, ils ont eu moins de descendants, ils ont été contre-sélectionnés parce qu'il y avait plus souvent la chiasse. Et voilà, quoi. Et le monde n'est pas bien fait. Il a trucidé tous ceux qui n'étaient pas capables. Il a trucidé évolutivement. Hein. Ils sont pas, du jour au lendemain, ils ne se sont pas éteints. Mais clairement, les non-goûteurs, dans l'état en tout cas de nature où on mangeait plus de n'importe quoi, ben, ils étaient moins avantagés que ceux qui étaient capables de goûter les tanins. Jusqu'au niveau de l'amertume. Alors, je termine en disant que quand vous sentez cette amertume, là, vous avez un peu envie de cracher un ou deux. Non ? Et si vous insistez à manger des tanins, il y a carrément un autre arc le réflexe qui se met en place, hein, qui inverse la mobilité gastrique et vous, d'abord vous avez des haut-le-cœurs, comme ça, et puis après vous vomissez. Il y a quand même tout un tas de remparts, hein, qui ont été mis en place par sélection naturelle et qui font qu'aujourd'hui, ben, quand on mange des choses qui ont des tanins, c'est des petites quantités, toujours. Ouais. Et puis c'est des goûts plutôt appris que des goûts innés. Les enfants, ils n'aiment pas. Bon, donc, on a compris la logique des tanins, et on va peut-être maintenant avoir plus d'outils pour interpréter pourquoi ils s'accumulent dans une feuille en sénescence. Maintenant, j'ai compris que là, j'avais accumulé des tanins par rapport à la feuille ordinaire. J'avais retiré des choses, notamment la couleur verte, et accumulé des tanins. Et donc, j'avais changé le goût. Bon, c'est la première transition. La deuxième, ce sera passer du jaune au brun. Alors, dans cette transition, effectivement, quelqu'un me faisait remarquer, mais c'est bizarre de faire des synthèses de quelque chose dans une feuille qu'on va jeter. Alors, il y a la question, c'est pourquoi effectivement synthétiser des tanins, pourquoi ils s'accumulent des tanins là-dedans, alors que cette feuille va mourir. Première hypothèse qui a été proposée, ce sont des produits de dégradation. La cellule est en train de liquider tout son contenu et de le renvoyer dans l'arbre, parce que la feuille va tomber. Cette sénescence, c'est un recyclage vers l'arbre, et il y a peut-être des déchets. Quand on regarde la voie de biosynthèse, de ces déchets, on s'aperçoit que ça consomme plein d'ATP, plein d'énergie, et on se dit qu'il vaudrait mieux pas les faire. Donc il y a l'hypothèse déchets, une espèce de déchets de cellules en décomposition, en démontage, physiologique là, hein, encore, et là, cette hypothèse, elle est nulle parce qu'elle ne tient pas compte
du fait que ces molécules sont coûteuses à produire et qu'il vaudrait même pas les et qu'on les produit à partir de sucre, quoi. Donc il suffirait de rembarquer le sucre. Donc, hypothèse fréquente, mais qui ne résiste pas à l'examen biochimique. C'est qu'il faut peut-être aussi penser à la logique de ça par rapport au devenir de la feuille après la chute. Moi, je vais vous citer une autre hypothèse. Là, vous êtes en train de démonter la feuille. Donc, vous démontez des organites, vous êtes en train de les recycler, et il peut y avoir des accidents. Et des plastes qui sont en cours de démontage, mais qui continuent à avoir de l'énergie captée, des trucs comme ça, et ça, ça fait des radicaux libres. Des radicaux libres, ils s'en produisent quand vous démontez la cellule. Vous avez tout un tas d'accidents qui font qu'il faut protéger ces feuilles. Et puis, elles sont plus protégées de la lumière parce qu'elles n'ont plus l'appareil photosynthétique. Et protégées contre des radicaux libres, qui sont des résultats de dysfonctionnement cellulaire, ou protégées contre la lumière, les tanins le font très bien. Ils absorbent dans le visible, n'est-ce pas, puisqu'ils sont jaunes, pour beaucoup d'entre eux, voire rouges. Et puis, il y en a aussi qui absorbent dans l'UV. Donc, une protection contre l'éclairement de feuilles qui n'ont plus leur appareil photosynthétique ou une protection contre les radicaux libres et des phénomènes oxydatifs dans des cellules en démontage, ça permet de prolonger le temps où on peut démonter la cellule. Donc, une protection d'une cellule dans un état physiologique différent de celui de la cellule photosynthétique. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse qui est tordue et qui nous renvoie à un dénommé Hamilton. Vous le connaissez peut-être, Hamilton, parce qu'il a travaillé sur la sélection de parentèle, dont on reparlera plus tard aujourd'hui. Hamilton aurait émis l'hypothèse suivante, une hypothèse qui, les amis, a la caractéristique d'avoir été publiée par un de ses étudiants après sa mort. Donc on ne sait toujours pas si l'étudiant a rajouté le nom d'Hamilton pour que le papier passe, ou si Hamilton y avait vraiment pensé. On ne peut plus lui demander, on s'en fout, l'idée est la suivante. Ça, c'est quand même vachement dégueulasse. Hein. Je veux dire, pour des herbivores, c'est quand même vraiment pas ce qu'il faut manger. Alors, on s'en fout qu'ils le mangent d'une certaine façon, parce qu'il commence à y avoir plus grand-chose dedans, et puis ça va mourir, mais ça n'a plus grand avenir. Mais en fait, ce qu'Hamilton a proposé, c'est que plus une feuille est capable d'afficher des couleurs en automne, plus ça veut dire que la plante a des ressources pour faire des tanins, et plus c'est un signal qu'elle est capable de résister à des attaques. Et donc, partant de ça, il propose que ce soit une coévolution avec les insectes. Les insectes évitent de pondre sur des plantes qui ont des feuilles colorées. Plus la plante a des feuilles colorées, plus les insectes l'évitent. Plus les insectes voient les couleurs, plus ils peuvent éviter les plantes qui ont les moyens de faire beaucoup de tanins. Vous y êtes ? Donc il y aurait une coévolution qui ferait que plus une plante est colorée, plus les insectes l'évitent. Et plus les insectes évitent des fleurs, des feuilles colorées, plus, quand ils pondent, ils pondent sur des plantes faibles. Ça s'appelle un signal honnête. Parce que ça coûte à la plante, on l'a dit. On a même rejeté à cause de ça l'hypothèse déchet. Et donc, l'idée d'Hamilton est la suivante. C'est que c'est un signal honnête, vous y êtes, qui indique l'état de la plante. Comme par exemple des belles plumes chez un oiseau mâle indiquent qu'il n'est pas malade. Parce que sinon, il ne pourrait pas faire des belles plumes, il y aurait des trous de mite dedans, ou il n'aurait pas l'énergie pour les faire. Vous y êtes ? C'est ce qu'on appelle les signaux honnêtes. Et ça aurait émergé dans une coévolution avec les insectes. Oui, parce que les insectes, là, ça va être l'hiver. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils font les insectes ? Ben, ils vont pondre dans les bourgeons, ils vont pondre dans l'écorce, ils vont pondre partout pour protéger leurs œufs pendant l'hiver. Il y a notamment beaucoup de pucerons qui font ça. Notamment certains qui font des gales dans les bourgeons. Enfin, bref, l'idée de Hamilton, qui a été validé par certaines expériences, c'est qu'il y a un choix des plantes les moins colorées, ce qui sélectionne de fait celles qui colorent le plus leurs feuilles, même si c'est con de jeter ensuite ces couleurs. Donc cette hypothèse-là, qui est une hypothèse d'affichage de l'état de la plante, ça marche aussi, c'est pas obligé, c'est pas exclusif avec ce qui précède. Et on va attendre un petit peu pour trouver une quatrième hypothèse qui va nous envoyer sur l'avenir de la feuille après. Car maintenant, ce qui tombe au sol, c'est pas ça. J'ai encore une transition colorée. Alors maintenant, deuxième transition colorée, du rouge ou du jaune au brun, avec une réduction de la sensation des tanins. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Les tanins ont été libérés. Qu'est-ce qu'ils font les tanins quand ils sont libérés ? Eh bien, ils vont choper les protéines. Vos tanins,
ils ont une couleur parce qu'ils ont un cycle aromatique avec des électrons, vous savez, les fameux électrons pi, là. Et c'est surtout ces électrons-là qui absorbent le visible. Si jamais ils chopent un groupement qui est très positif, ça va attirer leur nuage d'électrons et le déformer. Si jamais ils ont chopé quelque chose qui est négatif, ça va repousser le nuage d'électrons. Et quand il est déformé, votre nuage d'électrons, il absorbe dans d'autres longueurs d'onde. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils étaient dans la vacuole, ils absorbaient dans leur longueur d'onde à eux. Maintenant qu'ils sont fixés à des protéines, ils absorbent dans un peu toutes les longueurs d'onde. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le jaune commence à noircir. Et si j'attends vraiment longtemps, bah, le jaune, il devient carrément... Regardez les vieilles aiguilles. Là, bon, je suis désolé, c'est peut-être pas très... C'est pas génial, mais j'ai les aiguilles de l'année, elles sont brunes. Les aiguilles de l'année précédente, elles sont devenues noires. Parce qu'à force de réagir avec toutes les protéines, vous finissez par absorber dans toutes les longueurs d'onde. Puisque vous subissez des influences déformant votre nuage d'électrons qui absorbe la lumière différente. Et donc, les feuilles, qu'est-ce qu'ils font ? Elles sont en train de noircir. Et le début du noircissement, quand on était jaune, c'est d'être brun. Ça va ? Les très vieux thés, ils sont noirs. Hein. Les vieux thés fermentés, les plus artis du sud de la Chine, bah, sont noirs. Hein. Ça va ? Donc en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un complexe tanin-protéine qui se forme. Et pourquoi ça n'a plus de goût ? Ils sont plus libres, oui. Vous y êtes ? C'est comme dans les prunes qui ont pris le gel, enfin les prunelles qui ont pris le gel, ou les kakis qui se délitent parce qu'ils sont en surmaturité. Ça va ? C'est logique, ça ? Eh bien, on a compris pourquoi les feuilles sont brunes. On n'a toujours pas compris, par contre, quel serait éventuellement l'intérêt qu'ils tombent par terre des complexes tanin-protéines. Donc nous allons maintenant regarder un petit peu ce que deviennent ces complexes tanin-protéines en changeant de parcelle et en espérant que dans la parcelle suivante, on verra des feuilles en décomposition. Parce que là, les aiguilles, c'est pas top. Est-ce que vous avez bien vu ramasser une poignée d'aiguilles, le contraste entre l'aiguille de l'année et l'aiguille des années précédentes, qui est tout à fait noire? Ce que je vous propose de faire, hein, sous vos pieds, c'est de regarder les feuilles. Bah, y a les feuilles de l'année qui sont encore d'un joli beige ocre. Voilà, donc on les enlève. Après, on tombe sur des feuilles déjà qui sont là depuis plus longtemps, peut-être même l'an dernier, qui ont, elles, carrément grisonné. Hein, on sent venir le noir, en fait. Hein. Et quand on descend encore, qu'est-ce qu'on trouve? Des feuilles qui ont blanchi. Vous voyez les feuilles blanches? Bah non, parce que vous n'êtes pas en train de creuser. Alors, comme c'est un truc que vous allez faire avec vos gamins, tenez, j'ai de la feuille blanchie, là. Tu veux de la blanche? Ah, on peut trouver du mycélium sur les feuilles, mais on trouve surtout des feuilles blanchies. Regarde là, tout ce paquet là, ça c'est tout ce machin tout aggloméré là, c'est de la feuille blanchie, attention je vois même du mycélium dessus, je vous l'envoie, hop, c'est tombé là. Vous y êtes? Donc si vous tombez sur un paquet de feuilles blanchies comme ça, je pense que c'est clair. Est-ce que tout le monde a des feuilles blanchies? Montrez-les-moi. Si vous ne savez pas les trouver, ouais c'est pas mal ça. Ça fait souvent des paquets, hein, parce qu'il y a plein de mycélium dedans. Sentez-moi ça. Ça sent quoi? Bon, ça sent pas grand-chose, alors vous en prenez un petit bout, et vous le goûtez. Allez, goûtez. Mais non, vous avez craché. Tu vas pas l'avaler. Ça a le goût de quoi, ça? Qui en veut? Alors, qu'est-ce qui reste de blanc? Et alors, c'est pas très humide, mais quand il fait humide, c'est frappant. Ces feuilles blanchies, là, elles sont très molles par rapport aux feuilles plus raides de l'année. Qu'est-ce qui reste qui est blanc? Et je vous le dis, quand c'est humide, vous pourrez réhumidifier ça chez vous, si vous voulez. Blanc et mou. C'est presque une... C'est un peu les questions de repêchage du jeu des 1000 euros. Hein. C'est évident. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mangé, les champignons? Alors, je sais que c'est des champignons, parce que vous allez voir, c'est obligé que ce soit eux. Ben, ils ont mangé la lignine qu'il y avait dans la feuille, puisqu'il y en a un peu dans les nervures. Et ils ont mangé les fameux comptanins
protéines, ces complexes tanins-protéines qu'on appelle aussi des pigments bruns. Alors en fait, il faut que vous réalisiez, qu'est-ce qui se passe quand les tanins s'accrochent aux protéines? Bah, au début, c'est juste de passage, et puis après, crac, c'est un lien covalent. Deux liens covalents. Trois liens covalents. Et le truc, c'est que vous faites en fait rapidement des molécules non répétitives. Vous y êtes? Des molécules qui sont faites avec des liens dans tous les sens, et il n'y a pas d'enzyme pour ça. Qui va attaquer ça? Bah, des espèces de pseudo-agents de pourriture blanche qui vont niquer les lignines, niquer les pigments bruns, et quand il n'y aura plus que la cellulose, paf, ils lâchent leur cellulase. Vous y êtes? C'est une sorte... Alors, c'est pas les mêmes espèces, mais c'est des trucs qui font une sorte de pourriture blanche. Ça va? Et c'est vraiment des champignons parce qu'on retrouve ce problème de polymère non répétitif. Alors, il n'y a pas de données sur l'attaque des pigments bruns, mais moi, je parierais très volontiers hein, que c'est une attaque par des radicaux libres, un peu comme dans la pourriture blanche. Vous y êtes? Bon, ben, si ça se passe plutôt bien pour l'instant, puisque je viens de recycler, en fait, les contenus cellulaires. Parce que les contenus cellulaires qui tombent au sol, c'est les pigments bruns. Bon, alors évidemment, ils tombent emballés, donc j'ai aussi un peu de parois à recycler, mais vous y êtes, je viens de recycler mes petits 10% de contenus cellulaires qui constituent le flux de matière organique arrivant au sol. Alors, deux choses sur ces pigments bruns par rapport à leur rôle écologique. Il est absolument fondamental et moi, ça me rend malade que, alors que tout le monde a vu que les feuilles étaient brunes, personne ne sache cela. Je m'explique. Vos protéines, et d'ailleurs, au passage, tous les composants de la cellule se trouvent blurbés dans les pigments bruns. Ils ne vont pas être solubles. Ça ne va pas s'en aller avec l'eau de pluie, hein. Cette espèce de blurb. Ok? Bon. Et c'est là qu'il se produit quelque chose qui est génial et qui permet les écosystèmes tempérés. Parce que quand ça tombe au sol, là, qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être, après l'automne, c'est... Non, dégradé, c'est pas un nom de saison. Justement, tu vas voir, c'est pas dégradé. Pourquoi? Parce qu'il arrive l'hiver et ça bloque tout. Si jamais c'était soluble, les pluies de l'hiver et les circulations d'eau de l'hiver entraîneraient tous les restes phosphatés, azotés de la cellule. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'hiver, la vie microbienne se calme, ça attend. Et c'est l'année suivante, au printemps, que recommence la minéralisation quand les champignons peuvent attaquer. Et à ce moment-là, ça libère de l'azote, du phosphate, et éventuellement les racines sont là à ce moment-là pour le prendre en main. Et ça ne va pas partir dans l'eau, ça ne va pas être lessivé dans les sols, ça va repartir dans les plantes. Autant un écosystème qui fonctionne tout le temps, on s'en fout que les feuilles se dégradent tout de suite ou pas, puisque c'est recyclé tout de suite, puisqu'il y a tout le temps des racines qui récupèrent les produits de la minéralisation par les microbes. Donc les microbes attaquent la matière qui tombe, ça fait de l'azote, du phosphate, et tout de suite les racines le reprennent. Ça, c'est dans un écosystème tropical, non saisonnier, qui vit en continu dans l'année, il n'y a pas de problème. Mais dans un écosystème qui s'interrompt pendant la saison sèche, en zone méditerranéenne, ou pendant la saison froide, par chez nous, ben vous avez les feuilles qui sont tombées de la saison de végétation précédente, et si jamais l'azote et le phosphate qu'elles avaient dedans étaient sous une forme soluble, ils partiraient avant que d'être récupérés, puisqu'il n'y a personne pendant la saison défavorable. Je me fais comprendre? Donc ça, les amis, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des écosystèmes saisonniers. Je ne dis pas que ça n'existe pas aussi en écosystème tropical, mais en écosystème saisonnier, les amis, c'est la façon dont est retenue la fertilité des sols dans les écosystèmes forestiers. C'est énorme, hein. Et du coup, vous comprenez que dans les agrosystèmes où on laisse la terre toute nue et où on a éventuellement récolté toute la matière organique parce qu'on a pris les pailles et les graines sur du blé, ben on n'a pas cette capacité à retenir. Et c'est un des éléments qui fait que la fertilité qu'on amène dans les champs part en hiver. C'est qu'on a perdu cette logique. Ça va? Et qu'on est obligé d'en remettre et qu'on la retrouve dans les nappes phréatiques. C'est pas beau cette histoire. Bon, alors donc, on se dit que comme ces pigments bruns, ils vont être dégradés pas très loin des racines, puisque les feuilles de l'arbre tombent pas très loin de ses racines. On se dit que du coup, même d'un point de vue de l'arbre, c'est pas simplement un service qui rend à l'écosystème. C'est que comme ces feuilles tombent sur ses racines,
et qu'elles seront donc minéralisées sur ses racines, ça peut être encore une bonne raison de balancer des tanins dans les feuilles, qui retiendront la fertilité, mais à terme, pour une réutilisation après minéralisation par ses propres racines. Et avec ça, j'ai donc mes différents modèles. Pourquoi mettre des tanins dans les feuilles qui meurent? Modèle numéro 1, alors là, vous en avez, hein, vous avez une feuille en train de jaunir. Modèle numéro 1, c'est des déchets, ça ne tient pas. Modèle numéro 2, c'est des antioxydants ou des photoprotecteurs pour des cellules qui ne sont plus dans leur fonctionnement ordinaire. Pourquoi pas? Modèle 3, c'est des façons de montrer ses biceps pour dire « Regarde ce que je peux te faire si jamais tu fous tes œufs dans mes bourgeons face aux insectes. » C'est un signal honnête qui va permettre aux insectes d'éviter, soit par de façon innée, soit de façon acquise, d'éviter de pondre dans ces plantes-là, dans leur propre intérêt. Et le quatrième point, c'est retenir tout ce qu'on n'a pas pu recycler vers l'arbre, tout ce qui est resté dans la feuille, le retenir pendant la mauvaise saison et le libérer lentement sur les racines quand il fait beau de nouveau. Ça marche moins au milieu tropical, cette explication-là, puisqu'il y a des racines et des feuilles tout le temps. Mais bon. Elles ne sont pas, les trois explications que j'ai potentiellement retenues ne sont pas opposées. Et d'ailleurs, quand on a une molécule coûteuse comme un tanin, ça vaut mieux qu'il serve à trois choses plutôt qu'une. Vaut mieux avoir un truc qui sert pour les trois fonctions, vous y êtes, que de faire trois molécules différentes qu'il faudra chacune faire en grande quantité, vous y êtes. Alors vous comprenez au passage qu'entre les lignines, qui sont des tanins polymérisés, et les tanins dans la couleur des feuilles d'automne et la fertilité des sols, on se dit que on méconnaît franchement les tanins. Hein. C'est quand même la deuxième famille par abondance dans la biosphère, après les polysaccharides. Je veux dire, tout de suite derrière la cellulose, les hémicelluloses et tout, derrière les glucides, donc tout de suite après, il n'y a pas les protides ou les lipides. Hein. Ça, c'est une hernie de vision du monde animal. Où effectivement, il y a des glucides, des lipides et des protides. Mais dans la vraie vie, les tanins, ils sont super abondants, rien qu'à cause de la lignine. Ils ont plein de fonctions. Je reviens sur Terre, mais vous voyez qu'au passage, il y avait une petite leçon. La deuxième famille par ordre d'abondance, et qui est une famille multifonctionnelle et vraiment importante écologiquement et physiologiquement, au moins pour les plantes, voire les animaux qui les mangent, c'est les tanins. Il nous reste les feuilles. Parce que dans les feuilles, bon, il y a de la cellulose et de la lignine, mais il y a aussi, vous voyez, dans les feuilles, beaucoup plus de contenu cellulaire. J'ai ici une très jolie coupe de feuilles, hein, avec l'épiderme supérieur et inférieur, la couche qui laisse passer les gaz, et puis une couche à cellules plus serrées, densément photosynthétique, densément riche en chlorophylle. Alors, ces feuilles, on voit qu'elles changent de couleur au cours du temps. Et d'ailleurs, elles changent de goût aussi. Elles sont vertes et elles ont le goût de salade. Elles deviennent jaunes ou rouges, oui, parce que des fois, ça rougit. Elles deviennent jaunes ou rouges, et là, elles prennent un goût très tannique. On sent qu'il y a non seulement eu un retrait de chlorophylle, mais un ajout de tanin. Et puis, elles deviennent brunes, et là, on ne sent plus les tanins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne va pas revenir sur les agents, sur les mécanismes qui font l'intérêt des feuilles colorées en jaune ou en rouge. On en a parlé sur le terrain. Moi, je voudrais surtout revenir sur ce brunissement qui part de feuilles rouges ou jaunes et qui vont finir toutes par brunir et arriver par terre, elles seront brunes. Bien. Alors, ces feuilles qui seront brunes après coup, quand je fais une coupe dedans, je vois très bien toujours la structure, vous voyez, avec le parenchyme, les cellules serrées l'épiderme, les cellules serrées du parenchyme qui fait la photosynthèse, mais je ne vois plus les cellules. Je vois que des gouttelettes brunes, ce que l'on appelle des pigments bruns, et qui sont des restes de la cellule, où les tanins se sont combinés aux protéines et ont fait un espèce de blurb, un truc chimiquement bizarre, avec des liens dans tous les sens. Quand on regarde ça en microscopie électronique, zoomons là-dessus en microscopie électronique, on voit très bien les parois des cellules de la feuille, okay, et on voit dedans ces espèces de machins qui sont plus ou moins arrondis, qui sont très opaques aux électrons parce qu'il y a des liens chimiques dans tous les sens, donc ça arrête les électrons. Ce sont les pigments bruns, et c'est ce qui reste de la feuille. Enfin, pardon, c'est ce qui reste du cytoplasme. Des parois et un cytoplasme à l'état de pigments bruns. Quand on remue des feuilles, alors on n'a pas vu de champignons qui faisaient ça, je suis désolé, parce que on n'a pas vu leurs organes reproducteurs, mais on a vu des feuilles blanchies, on a deviné dans certains cas où on a goûté même qu'il y avait du mycélium qui allait dessus,
dans ces feuilles-là, on voit donc ces feuilles brunes qui n'ont plus aucun goût, parce que les tanins sont combinés dans les pigments bruns, par contre, peuvent prendre le goût de champignon quand le champignon les attaque. Et vous avez ici une coupe d'une litière où on voit les feuilles à pigments bruns en surface et les feuilles les plus vieilles sont complètement dépigmentées, délignifiées, sont blanchâtres et molles. Il ne reste plus que la cellulose. On a donc des champignons qui sont capables d'une attaque qui va laisser la cellulose et emporter la lignine et les pigments bruns. Et je ne doute pas que ces champignons, même s'ils sont très peu étudiés, ils finissent leur repas en balançant, après sans doute une première attaque de ces molécules-là avec des radicaux libres, quand il n'y a plus que la cellulose, ils doivent balancer des cellulases, des enzymes donc, qui vont digérer la cellulose. Alors regardez un peu de microscopie électronique, là, où on voit des filaments de champignons, et notamment ce filament-là, là, qui fait un diverticule qui est en train, regardez, de digérer un pigment brun. C'est très beau, hein ? On voit que ça se passe à proximité de la paroi, et il doit y avoir des enzymes émises qui doivent émettre des radicaux libres, qui doivent digérer tout ça. C'est bizarre, mais bon, voilà, c'est un peu aussi la poubelle, hein, et donc les gens n'aiment pas trop fouiller dans la poubelle. Voilà des feuilles attaquées avec... tiens, regardez, c'est quoi ça ? Ouais, une ligne noire entre deux champignons. Regardez, là encore, de très belles lignes noires entre deux espèces différentes. On voit des fois des petites gouttelettes qui sont des gouttelettes d'enzymes. Quand on soulève les feuilles, on voit ces petites gouttelettes sécrétées par les champignons. Bien, donc j'ai recyclé. Alors là, c'est fini. Bon, j'ai recyclé tout ce que je pouvais, hein, puisque j'ai recyclé le cadre pectocellulosique avec sa lignine. Et puis, j'ai recyclé les pigments bruns. Après, il y a bien sûr, il y a de temps en temps une bestiole à recycler, mais la biomasse animale dans les écosystèmes, c'est marginal. D'ailleurs, c'est tellement riche comme matériaux, que c'est plutôt des bactéries qui se développent dessus que des champignons. L'atelier suivant, après des champignons ça profite, qui vivent aux dépens de matières mortes et des champignons parasites, on n'en est pas sorti depuis le début, c'est des champignons qui établissent une relation biotrophe, mais à bénéfice réciproque. On va parler de mycorhizes. Il y a deux grands types de mycorhizes. Hein. Il y a une mycorhize qui est très répandue dans le monde vivant, qui est la mycorhize, l'endomycorhize, pour laquelle il faut faire des colorations de ce qui paraît être de simples racines pour voir le champignon. C'est écologiquement majeur, mais pédagogiquement, c'est chiant à faire. Et puis, il y a des mycorhizes qu'on a de la chance d'avoir en forêt tempérée, où le champignon se voit à l'extérieur de la racine. Les ectomycorhizes. Alors, aujourd'hui, je ne cherche pas à faire un panorama de tous les types de mycorhizes. Donc, les ectomycorhizes, il y en a partout sous nos pieds. Mais si vous allez dans l'horizon où il y a de l'argile, vous allez être emmerdé parce que l'argile, ça colle à tout et donc vous ne les verrez pas bien. Les belles mycorhizes, on les voit quand on a un peu épais de matière organique. Parce que là, ça va bien se décoller. On va bien voir les racines. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je prends un endroit où, à vue de pif, là, il y a pas mal de matière organique. J'essaie de remonter des trucs qui attachent, voilà, qui arrachent et qui sont en fait des racines d'arbres. Et après, je regarde à l'œil ou à la loupe et je m'aperçois qu'il fait sec et qu'il n'y a pas grand-chose. Mais ça va arriver, ça. Alors, ici, on est dans un bon spot. Hein. J'ai au moins une chose, c'est qu'il y en a une, là, qui est d'un type assez particulier. Sur cette racine, vous ne pouvez pas ne pas voir qu'il y a du champignon. Non ? Donc déjà, j'ai celles qui sont poilues. Poilues colorées. Et les poils, c'est les champignons. Et puis, j'ai toutes celles qui sont simplement, ben, quand je regarderai à la loupe, je verrai un moignon un peu renflé noir ou renflé gris ou... Il y en a des roses et des jaunes à trouver ici, d'accord ? Il y a des roses et des jaunes à trouver. Des mycorhizes roses et des jaunes. Bah oui, bah, tout dépend de la couleur du champignon. Donc maintenant, on va jouer ensemble. Qui a la plus belle mycorhize ? Ah, regardez là, comme c'est intéressant. Là, vous voyez les petits poils qui sortent là ? Bah là, on a une mycorhize avec un champignon qui fait énormément de mycélium. Regardez, on dirait une touffe de coton. Au total, vous voyez qu'on voit beaucoup de types de mycorhizes et ça reflète le fait qu'un arbre comme celui sur lequel tu as
appuyé, il doit avoir au moins une cinquantaine d'espèces différentes sur ses racines. Ces espèces, on n'a pas l'occasion de les voir, mais c'est l'essentiel des espèces forestières. Hein. Tout ce qui est girolles, russules, lactaires, amanites, cortinaires, j'en passe et des meilleurs, tous les cèpes et les bolets, d'accord? C'est eux qui font ça. Et on les trouve qu'en forêt parce que, tout comme les arbres, ils sont vraiment dépendants de cette association. Bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on repère une mycorhize? Ben, en fait, il n'y a pas de cas unique. Il y a les cas où il y a un c'est la couleur, parce que le champignon amène sa couleur. Surtout dans ces ectomycorhizes, où une fois de plus, il fait un manchon en surface. D'autres fois, on voit simplement les filaments, comme celles que j'ai dans les mains. On voit des tas de filaments parce que ben, c'est les filaments du champignon. D'autres fois, le champignon est assez translucide, il est complètement plaqué sur la racine. Donc dans ces cas-là, ben, on ne voit pas le champignon, mais on voit là que la racine est ramifiée. Et ça, c'est le deuxième critère. Changement de couleur, aspect cotonneux, mais l'autre chose, c'est la ramification. Vous voyez que ces racines sont extrêmement ramifiées. Et dans celles qui étaient beiges, qu'on a vu passer tout à l'heure, vous voyez, ça faisait un peu comme un petit arbre de Noël. Alors des fois, on a de la chance et on trouve une plaque grosse comme la main, où c'est de la racine ramifiée comme une dingue. On a l'impression qu'on a écrasé plein de sapins de Noël ensemble. Ça peut faire des plaques grosses comme la main. Hein. Bien. Alors, donc, vous voyez qu'il y a la couleur, l'aspect poilu et la ramification, car le champignon fait souvent proliférer les racines. Si vous deviez faire un pari à propos d'une hormone végétale qui pourrait synthétiser et ben, les auxines, vous savez que les auxines, ce sont de très simples dérivés du tryptophane. Je dis les auxines parce qu'il y a plein de dérivés du tryptophane qui sont auxiniques. Même le tryptophane, il a un rôle auxinique. Pas fort, mais un peu. Vous y êtes. Et donc, les champignons savent faire ça, et effectivement, l'une des façons dont ils provoquent cette abondante formation de racines, c'est une production d'auxines. Mais vous savez, c'est avantageux pour tout le monde, parce que ça fait proliférer l'interface. On retrouve ici un trait de la biotrophie qu'on a déjà vu, non? La biotrophie est souvent associée à des déformations du partenaire. Et là, on est de nouveau sur une déformation de la plante. Je vous promets, avant la fin de la journée, une déformation du champignon. Par la biotrophie. Bon. Donc, on a compris comment on repère, comment on cherche ces mycorhizes, et on a aussi vu que finalement, avec une bonne loupe, on arrive à les voir. Même par un temps sec. Ce qui est génial, là, c'est que tout ce qu'on fait, c'est dans conditions les pires. Hein. Les mycéliums ne sont pas beaux, les mycorhizes ne sont pas belles, mais on y arrive quand même. Deux ou trois petites discussions annexes à propos de ces ectomycorhizes et de cet exemple de biotrophie mutualiste et non parasitaire. Petit 1. Les génomes de ces champignons. Quelles sont les marques de l'état mycorhizien? Alors là encore, on voit sur des arbres phylogénétiques, sur des arbres évolutifs, on voit très bien que ça dérive d'ancêtres qui faisaient de la pourriture blanche. Et c'est dérivé plusieurs fois, puisqu'on connaît au moins 80... Vous voyez, des fois, on dit l'évolution convergente, et on dit « Ah, la nageoire de la baleine et la nageoire du poisson, ah, l'aile de la chauve-souris et l'aile de l'oiseau. » Mais c'est de la foutaise, ça. 80 fois, là. 80 fois, l'évolution convergente. Alors, ça permet aussi, d'ailleurs, de documenter assez efficacement quels sont les traits qui sont toujours présents quand on vire à la mycorhize, à faire des ectomycorhizes, donc sur des arbres forestiers de nos régions, par rapport à un état de saprophyte. Alors, quelles sont les grandes tendances? Bon, les génomes ne sont pas forcément beaucoup plus petits, mais déjà, ils n'ont plus toutes les enzymes qui permettent de digérer la matière organique morte. Est-ce que c'est étonnant? Ben non, parce que maintenant, le carbone dans la mycorhize, il vient de l'arbre. Cette mycorhize, c'est un organe mixte où le champignon prend du carbone en donnant de l'azote, du phosphate, du potassium et des sels minéraux. Bon, on le comprend. Par contre, on voit... Alors, c'est une évolution régressive et ça explique que ça se produise souvent. Mais quand même, il y a des traits progressifs. Il y a des traits nouveaux qui apparaissent et il y a notamment une explosion des petits peptides sécrétés. Sécrétés pour qui? Ben, pour aller dans l'hôte. On en connaît notamment un dont le rôle est démontré. C'est un rôle qui rend insensibles les cellules à l'acide jasmonique en se fixant sur le récepteur et en l'empêchant de fonctionner. Vous y êtes? Du coup, il y a beau avoir de l'acide jasmonique, il ne se passe rien. Et ça, c'est très important. Dans l'acide jasmonique, c'est une molécule d'alerte au sein de la plante. Et en fait, le champignon rend insensible les cellules au signal d'alerte. Il induit une absence de réponse locale, qui est bonne pour tout le monde.
vous y êtes, et il se fixe sur le co-récepteur du jasmonate, qui est nucléaire. C'est un récepteur nucléaire, bon voilà. Et en fait, voilà, il provoque sa dégradation d'ailleurs, et finalement, à la fin, vous... Non, il ne provoque pas sa dégradation, il va falloir couper ça. Non, non, il y a une histoire d'ubiquitination, mais on ne va pas la rentrer dedans. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a tout un tas de modifications, et d'ailleurs, les modifications de forme sont peut-être en partie dues à ça. Je crois que la modification de forme la plus géniale, mais on ne pourra pas la voir ici, c'est sur les pins, les mycorhizes. Elles sont dichotomiques. C'est-à-dire que quand le champignon, la racine a rencontré un champignon, elle ne pousse plus de façon apicale avec des ramifications. Elle pousse comme ça, elle fait des petits cœurs. Et des fois, il peut être rose, si on trouve le bon champignon. Les rhizopogons font des mycorhizes roses sur les pins en cœur rose. C'est mouvant, non? Bon, plus sérieusement, deuxième point dont je vais vous parler. Vous avez vu que je vous ai dit, on peut trouver des mycorhizes dans la matière organique. Parce que l'idée qu'on a des mycorhizes, c'est que elles vont absorber des sels minéraux dans un volume plus grand que celui exploré par les racines, et d'ailleurs aussi pour un coût moindre. Ça coûte moins cher de faire un filament qu'une racine. 100 fois moins de biomasse, en gros. Mais alors par contre, pourquoi être dans la matière organique? Alors, première réponse, la matière organique retient l'eau, donc c'est peut-être des mycorhizes juste pour l'eau. Très bien. C'est pour ça qu'on les trouve sous les troncs souvent, les mycorhizes. C'est qu'il y a de l'eau retenue dans le bois. Même dans les troncs, des fois. Les troncs morts, je veux dire. Non, mais c'est plus compliqué. Ces champignons, ils ont un passé de saprophytes. Ouais. Donc, ils ont encore gardé des enzymes, non pas pour le carbone, mais des enzymes comme des protéases ou des phosphatases qui décrochent des motifs phosphatés. Et en fait, ils peuvent aller attaquer la matière organique, non pas comme source de carbone, mais comme source d'azote et de phosphate organique. La litière, c'est aussi une source de phosphate et d'azote. Et là, vous dites, ah, bah, il y a encore plus intérêt à retenir l'azote et le phosphate organique dans les feuilles, parce que non seulement il y a des champignons qui vont décomposer ça pas loin des racines, mais en plus, tes propres champignons mycorhiziens, ils vont pouvoir aller bouffer ça. D'accord? Et on arrive à ce truc complètement surprenant, qui est que ce garçon-là, c'est une fille, c'est les deux, hein, cet arbre-là, une partie de son azote et de son phosphate n'ont jamais été minéralisés. Ils sont rentrés à partir du stock organique du sol. C'est énorme. Et dans des régions comme les régions tempérées où l'hiver, la minéralisation est bloquée, bah c'est un sacré coup de pouce, non? Ça, c'est une caractéristique des ectomycorhizes que n'ont pas les endomycorhizes. C'est que les champignons ont gardé des capacités saprotrophiques par rapport à l'azote, par rapport au phosphate, phosphate organique, azote organique, et vont aller compenser la minéralisation qui ne se fait pas 6 mois par an, en allant chercher directement l'azote et le phosphate organique. Vous y êtes, et vous trouvez donc cette deuxième fonction des mycorhizes qui, d'abord, première fonction, augmente le volume de sol exploré, mais aussi, deuxième fonction, vont chercher des types de ressources que n'aurait pas exploré la plante, que n'aurait pas atteinte la plante toute seule. Bon, alors, maintenant, deuxième exemple de biotrophie, mais cette fois-ci mutualiste. La biotrophie mutualiste, c'est par exemple celle des champignons qui forment des mycorhizes. Alors, en voilà une pas belle, prise en vrac avec un appareil photo, donc bon, c'est pas beau, hein. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a du champignon blanc sur la racine, là. Des exemples ici de mycorhizes, vous voyez qu'ici, j'en ai une qui est très caractérisée parce que le champignon, il est noir et je vois à la fois ses filaments et sa couleur sur la racine. Donc là, je peux pas le louper. Et la racine est simple. Ici, un autre exemple tout à fait diamétralement opposé où je ne vois pas le champignon parce qu'il est translucide, il est complètement plaqué sur la racine. Et bon, on ne voit pas qu'il y a du champignon hein, sur le panneau du bas. Mais sur ce panneau du bas à gauche, eh bien, vous voyez une ramification vraiment importante de la racine. Et cette hyper-ramification, elle est un signe de présence de champignons. Elle est notamment liée à la synthèse d'auxine, un agent rhizogénétique, par le champignon. Alors, voilà, il y a tout un tas de mycorhizes différentes. Et d'ailleurs, vous pourriez vous dire, mais on me dit tout le temps que la mycorhize, le champignon, il est dans le sol pour exploiter le sol. Et là, je ne le vois pas exploiter vraiment le sol. Là, je vois bien les filaments qui s'en vont, mais là, ils font quoi? Il y a une autre façon d'exploiter le sol qui est de produire des
enzymes qui vont aller décrocher de l'azote et du phosphate sur les molécules organiques. Souvent, ces types de mycorhizes-là sont associés à l'exploitation de ressources organiques par l'émission d'enzymes, plus que par une exploration par des filaments comme ce type-là. En tout cas, en coupe, on voit très bien un manteau de filaments, et puis, entre les grandes cellules de la racine, on voit pénétrer des filaments, ici, entre les cellules. Une coupe en long, maintenant, où on voit très bien la chaussette de champignons, c'est pour ça qu'on parle d'une ectomycorhize, dans ces cas-là, le champignon est vraiment dessus, et les pénétrations entre les cellules les plus corticales. Et ceci n'est ni du mycélium, ni une racine. D'ailleurs, pour du mycélium, c'est super structuré, hein. C'est une mycorhize, c'est-à-dire un organe mixte, dont le nom est, parle de lui-même, myco, champignon, rhiza, la racine. Encore un peu, photographié, là on était cet après-midi, une année où il y avait plus d'humidité et plus de mycorhize. Regardez, vous voyez très bien, hyper ramification, couleur blanche. Des fois, c'est très facile, enfin, il y a des situations climatiques et des endroits où c'est super facile à trouver. À vous, quand vous enseignerez à Pétauchnok, de trouver pas très loin de là un endroit où on trouve des mycorhizes. Alors maintenant, un épisode qui va sans doute être à couper au montage, hein, un petit peu compliqué, où on étudie un champignon, un paxil, là, qui est une des espèces de champignons qui fait des mycorhizes, et à ce paxil, on lui donne de la matière organique. Et cette matière organique, on la caractérise par son spectre dans le visible. Vous voyez qu'elle absorbe à différentes longueurs d'onde, et on donne le spectre avant, en pointillé, et après. Bon. Bah, quand je regarde avant et après, ça n'a pas l'air très modifié. Hein. Avant que le champignon soit mis dessus, et après. Pas très modifié. Ce champignon ne se nourrit pas de matière organique. OK ? Et il pousse sur ce milieu parce qu'on ajoute du sucre, c'est tout. Quand je mets de la matière organique et du nitrate, ou de l'ammonium, bref, une source d'azote, je vois que ça ne change pas non plus tellement. Ça change un petit peu parce que, vous voyez, il y a après, en noir, là, il y en a un peu moins. On voit que les pics sont moins intenses. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, le dernier exemple de biotrophie mutualiste qu'on connaît tous bien, c'est les lichens. Je rappelle que les lichens, donc, c'est un champignon qui fait un mycélium assez serré et dense qui emprisonne des algues. Des algues ou d'ailleurs des cyanobactéries dans certains cas, hein, mais surtout des algues vertes. Alors, ces lichens, ils peuvent être de plusieurs formes. Et on va regarder tout de suite les formes des lichens, mais vous savez, ces formes, c'est hautement convergent dans l'évolution. Chacune des formes que je vais définir est apparue plusieurs fois. Mais, quelle que soit la forme, il y aura une leçon à tirer. Alors, il y a trois formes que vous connaissez. Il y a les lichens que l'on trouve en particulier sur des branches jeunes. Sur les branches jeunes, assez souvent, on a des lichens qui sont en croûte. C'est-à-dire qu'en fait, ce lichen, il n'a pas de structure inférieure propre, il est simplement plaqué sur le substrat. D'accord, il n'a pas de couche inférieure différenciée, c'est le substrat qui lui sert de couche inférieure. Ces lichens en croûte, comme sur donc cet arbre, hein, c'est surtout ce qu'on a sur les écorces jeunes qui ne sont pas épaisses et où ce n'est pas possible de rentrer des filaments pour se cramponner. Sur des écorces plus âgées et plus épaisses, on va pouvoir cramponner des lichens que l'on dit foliacés. Ce sont ceux-là. Regardez, eux, ils ont une couche inférieure. Hein, quand je soulève, bah, ils ont une individualité par en dessous. Ils sont cramponnés par quelques points, mais ils sont comme une feuille. Ils sont comme une feuille sur l'arbre. Donc ces lichens-là sont appelés foliacés. Ces lichens-là sont appelés foliacés parce qu'ils sont comme une feuille, plus ou moins reliée au substrat par certains points. Notre exemple, ce sera ce grand lichen vert là, qu'on appelle Parmelia caperata. Vous l'avez là ? Parmelia caperata. On a aussi un lichen bleuté, bleu-vert, là, qui est Parmelia sulcata. Ces deux lichens, c'est des grands classiques hein, sur les troncs. Parmelia caperata, vert bouteille, et Parmelia sulcata, plus petit et bleuté. C'est le nom du champignon. L'algue, elle a un nom par ailleurs. C'est un peu abusif de dire que c'est le nom du lichen, en fait. Vous y êtes ? C'est comme si je disais,
en montrant une mycorhize, ça c'est du lactaire. Non, il y a aussi l'arbre. Ça va ? Mais c'est une habitude héritée de l'époque où en fait le nom était vraiment celui du lichen, car on croyait que les lichens étaient des individus à part entière. Sur des branches, ou pardon, sur des troncs encore plus épais, on commence à avoir des lichens comme ça, qui sont en arbuscule, en petit arbuste. Celui-là s'appelle la mousse de chêne. Désolé, hein. Parce que pour le coup, d'abord, il n'est pas toujours sur chêne, et surtout, c'est pas de la mousse. Evernia prunastri. Il est caractéristique parce que dessus, il est verdâtre, mais quand je le retourne dessous, il est blanc. Quand vous prenez Evernia prunastri, c'est assez caractéristique, hein. Il est vert par-dessus, ou verdâtre du moins, et quand je le retourne, il est blanc. Et donc il y a une différence, il est blanc et il y a une différence de couleur entre le dessus et le dessous. En fait, les algues sont plutôt situées au-dessus, en dessous. On va le garder car on le reverra en travaux pratiques, ça va être notre exemple de lichen. Et puis j'ai un dernier type de lichen, c'est ceux qui font des poudres comme ça. Alors regardez, je vais sacrifier mon beau manteau noir pour vous. Je frotte mon beau manteau noir sur la poudre et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai plein de poudre. Alors que si je frotte je me frotte sur une parmélie là, bon, il ne se passe pas grand-chose. Oui, enfin, s'il se passe des choses, mais le lichen ne s'en va pas en morceaux. Ce troisième type de lichen, nous avons vu les crustacés en croûte, les foliacés en feuilles, les arbusculeux en arbuscule, en petit arbuste. Ce quatrième type, il est très méconnu, c'est ce qu'on appelle les lèpres. Ou comme la maladie, les lèpres. Et là, d'ailleurs, je vous présente Lepraria incana, la lèpre blanche. Super nom, hein. Alors, il faut que vous réalisiez qu'il y a toujours des zones qui ne sont pas fréquentées par les eaux ruisselantes. Comment sont nourris ces lichens, là? Bah, ils sont nourris par le ruissellement de l'eau de pluie. D'accord? Ça va? Ah oui, c'est l'eau de pluie qui ruisselle sur le tronc et qui amène des nutriments. Mais il y a des zones comme ce creux-là qui sont à l'abri du ruissellement. Il y a même des zones entières. Venez par là. Alors, regardez, il y a toujours une face qu'on appelle hydrophile où l'eau ruisselle, où il y a des mousses, des lichens foliacés ou fruticuleux. Et puis une zone qui est ici, vous voyez, où il n'y a que des poudres. Parce que là, l'eau ne ruisselle pas. Et ces poudres, en fait, ces lèpres, qui sont souvent accompagnées de petites algues unicellulaires pulvérulentes également, ces lèpres, elles exploitent les particules atmosphériques et les gouttelettes d'eau atmosphérique. Elles ne supportent pas le ruissellement, parce que ça les entraînerait. Vous y êtes ? Je vais même vous montrer leur seule défense contre le ruissellement tout de suite. Alors que là, il y a des choses qui supportent le ruissellement et qui s'en nourrissent. Donc il y a une face hydrophile, une face hydrophobe, et sur la face hydrophobe, il y a les lèpres. Et en gros, souvent, c'est l'inclinaison de l'arbre qui détermine ça, parce que les rainures de l'écorce drainent le liquide vers le bas. Du coup, la partie qui est légèrement supérieure reçoit l'eau et la draine de son côté, tandis qu'il n'y a pas d'alimentation en eau là, parce que les cannelures ne débouchent pas vers des zones exposées à la pluie. Alors là, j'ai un bas de zone hydrophobe qui est très beau et sur lequel je vais vous montrer comment les lèpres se protègent un tout petit peu du ruissellement. Alors regardez, je vais jeter de l'eau sur ma lèpre. Vous êtes prêts? Donc ça va être là. Tu es bien placé? Oh, merveille! Comme les plumes d'un canard, c'est hydrophobe. Vous avez lu ou non dans le polycopier que les champignons sont capables de faire des filaments très hydrophobes grâce à des protéines de surface qu'on appelle les hydrophobines. Il y en a plein là. Donc ça évite que le ruissellement entraîne trop cette poudre. Et ce lichen, il est juste fait d'un mélange informel d'algues et de champignons, sans couche de couverture et sans sous-couche non plus. Ça va? C'est un lichen inorganisé qu'on appelle une lèpre. Ça va? Et qui est bien adapté aux endroits où il n'y a pas de ruissellement et il faut exploiter des gouttelettes d'eau et des poussières venues de l'atmosphère. En d'autres termes, on dit aussi qu'il y a une face hydrophyte
où les organismes se nourrissent d'eau ruisselant et des sels minéraux qu'elles contiennent, et une phase atmophyte, où là, au contraire, c'est les particules venues de l'atmosphère qui nourrissent et qui les nourrissent moins bien, donc c'est souvent des trucs qui grandissent lentement, hein, qui nourrissent donc les lichens et les algues qui sont présentes. Donc on a parfois des structures très organisées, on verra à quel point en TP. Est-ce que vous réalisez que quand mon champignon pousse en boîte de pétri, si j'isole le champignon et que je le fais pousser en boîte de pétri, il va donner un mycélium diffus? C'est que quand on rajoute les algues qui se mettent à faire des formes complexes avec éventuellement une couche de protection, la couche à algues et une couche de protection inférieure. Vous y êtes? Les lichens sont l'exemple d'une déformation par la biotrophie du champignon. C'est pas beau ça? Et vous verrez en TP à quel point c'est complexe la structure d'un lichen en fait. Bien, alors là, on a fait le point. Et nous avons donc identifié l'ensemble des stratégies qu'on voit communément en forêt des champignons, à savoir parasitisme biotrophe, parasitisme nécrotrophe, saprotrophisme ou saprophytisme, on dit c'est synonyme, biotrophie mutualiste, dans le cas des lichens et des mycorhizes. Vous avez vu également que les champignons ne sont pas simplement des acteurs par la façon dont ils se nourrissent, mais par la façon dont ils sont éventuellement consommés, et que ce sont aussi les acteurs du recyclage et des cycles biogéochimiques, puisqu'on les a vus décomposer des structures complexes. Et quelque part, ça explique que le sol de forêt, au passage, on n'est pas à le nettoyer, on ne ramasse pas les feuilles en forêt. Alors qu'en ville, on les ramasse, parce qu'il y a du béton, parce qu'il y a du bitume, qui empêche justement cette vie microbienne du sol, et notamment la vie fongique, d'opérer le recyclage. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans cette parcelle. Alors, ce sont des arbres, essentiellement, ce sont des douglas. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une odeur, on a une odeur de citronnelle qui rôde. Et si vous appuyez un petit peu sur les troncs, vous allez avoir, vous allez péter les cloques qu'il y a sur certains troncs. Ce n'est pas le cas de celui-là, c'est le cas de celui qui est derrière. Ces cloques, hein, c'est des cloques de résine typiques du douglas. D'autre part, le douglas, il a aussi ce cône avec ses petites languettes qui dépassent là. Vous voyez les petites languettes qui dépassent des écailles. Donc c'est un, on dit sapin de Douglas, mais ce n'est pas un sapin. C'est introduit d'Amérique du Nord. C'est important pour ce qui va suivre. Alors regardez ces arbres. Ils sont bizarres. Les deux qui sont devant, regardez, ils ont un tronc qui est sans branche jusqu'à un certain niveau. Et à ce niveau-là, regardez, dans tout le paysage, c'est le cas. Hein, il y a un niveau à partir duquel, tac, il y a des branches. Ce processus de retrait des branches basses, hein, c'est ce qu'on appelle l'élagage. Donc, en gros, il y a un élagage jusqu'à un certain point, puis après, il y a toutes les branches mortes qui traînent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en général et qui élague bien un tronc? C'est la forme normale d'un tronc, et c'est un peu celle que nous promet ce châtaignier. Et qui se passe pas là? Alors voilà, donc on a le modèle girafe. Bon. Alors, commençons par ces branches basses. Vous remarquez qu'elles sont en sale état. Beaucoup sont mortes, beaucoup sont moribondes. Regardez sur le châtaignier, les branches du bas ne sont pas les plus belles. Pourquoi? Parce qu'on est un peuplement dense. Et qu'il n'y a pas de lumière qui arrive en bas. Si jamais il y avait de la lumière qui arrive en bas, vous savez, les arbres, ils font des branches, et des belles branches dès le bas. Donc c'est des branches mortes ou affaiblies. Mais d'habitude, ces branches mortes ou affaiblies, elles ne sont pas là. Regardez, là la plupart, elles sont parties. Elles ont existé, hein. La cicatrice, mais elles ne sont plus là. Qu'est-ce qui les fait partir? Alors vous vous doutez, vu qu'on est là pour parler de champignons, que ce sont des... Ouais, bien. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des champignons qui sont soit des saprophytes, capables de manger ces branches, soit des parasites de faiblesse capables d'attaquer des branches affaiblies, d'accord, et ils vont les boulotter. Et le problème, c'est que c'est une niche écologique difficile. Quand le bois de ces arbres est au sol, il se décompose très vite, parce que le sol est humide. Mais là, c'est sec.
Et ce qui se passe, c'est que dans les branches en place, c'est un milieu écologique difficile qui est une affaire d'espèces spécialisées. Et non seulement spécialisées dans cet endroit, mais aussi sur l'espèce. Donc quand on a introduit le sapin de Douglas, on n'a pas introduit l'agent d'élagage. Agent d'élagage qui est un ou plusieurs champignons. Alors c'est intéressant à plus d'une enseigne, hein, parce que ça nous montre que finalement, dans la morphogénèse de la plante, les champignons sont opérants et ils donnent cette forme, quand il y a des branches à l'ombre, cette forme avec des grands troncs lisses. Mais c'est plus que quelque chose qui nous raconte le rôle de microbes dans le développement. Développement, oui, acquisition de la forme, interaction biologique, tout le temps on pense que les interactions biologiques c'est de la protection ou, des échanges de bouffe. Ben non, ça peut être aussi de la morphogénèse. Et je ne vous cache pas que les microbiotes animaux nous démontrent aussi que dans la mise en place du système immunitaire, du système nerveux et tout un tas d'autres fonctions, les microbes ont aussi chez les animaux des rôles. Donc voilà un très bel exemple de rôle morphogénétique, développemental des microbes. Mais ce n'est pas tout. Alors oui, puis aussi du rôle de la mort dans la forme. Hein, l'absence de lien entre mes doigts, c'est de la mort cellulaire. C'est les cellules qui sont mortes pour libérer mes doigts dans mon développement embryonnaire. Donc on retrouve ce motif de la mort comme de certains tissus, de certaines cellules pour donner la forme. On retrouve le rôle finalement de microbes et d'auxiliaires dans l'acquisition de la forme. Mais il faut voir que ce n'est pas juste, ça va donner la forme habituelle. Ça va être très important. Pourquoi? D'abord parce que rapidement, vous voyez que ça arrive au tronc. Et en fait, les organismes qui sont capables de manger ces branches ne sont pas très compétitifs dans le bois massif du tronc. Ils n'arrivent pas à s'installer, donc ils meurent quand ils ont fini de manger la branche. Ils se sont reproduits entre-temps, c'est vraiment pas un problème, mais ils ont fini leur cycle de vie à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, regardez, ça cicatrise. Et le cambium va redevenir continu, avec une cicatrice, mais continue. Il va faire des cernes continues. Du coup, petit 1, comme ça cicatrisé, il n'y a plus de risque d'entrée de pourriture de cœur, des champignons qui pourraient manger le cœur du bois. De pur, ça profite d'ailleurs, mais qui vont fragiliser le bois. Donc déjà, il y a un rôle phytosanitaire. Et deuxièmement, comme vous faites maintenant des cernes continues avec une fibre continue, au lieu d'englober des saloperies, bah vous faites un bois beaucoup plus résistant, mécaniquement. Donc vous voyez que c'est très important aussi pour la santé de la plante, cette histoire d'élagage. Quand il faut courir vers la lumière et faire des hauts troncs, bah une des façons que ces troncs soient sains, c'est cet élagage. Ça ne se pose pas du tout pour un arbre au milieu d'une prairie qui sera moins haut et qui aura ses branches basses. Mais en forêt, l'acquisition de la forme et d'une façon efficace d'un point de vue phytosanitaire, c'est une histoire de champignon. Et cette histoire-là est absolument énorme, parce que si on s'arrête là-dessus, c'est encore un truc qui n'est pas étudié. Il n'y a pas de spécialiste des champignons élagueurs, à part quelques mycologues qui savent qu'il y a des champignons qu'on trouve que sur les branches de telle espèce, et quand elles sont mortes ou moribondes, personne n'a étudié ça. Pourquoi? Ce que je vous raconte là, c'est un truc, enfin voilà, il m'a fallu des années pour arriver à concevoir ça, et je vais vous raconter après comment. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette histoire? Parce qu'en dehors des cas où une espèce introduite nous montre les branches crevées et la nécessité de les enlever pour avoir un tronc lisse, le reste du temps, ça se fait tout seul. Et quand ça se fait tout seul, eh ben, on ne se pose pas de questions, c'est normal. Et puis on ne se pose pas non plus de questions sur quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que là, ce qu'il faut interpréter, c'est une absence de branches. Et comme on ne les voit pas, on ne réalise pas qu'elles sont absentes. Vous y êtes? Et ça, c'est tout l'enjeu de l'enseignement de la biologie, c'est d'arriver à aussi faire valoriser des absences ou des choses carrément ordinaires, tellement ordinaires qu'on ne se pose plus de questions. Alors, cela dit, on ne se pose plus de questions, mais cette histoire-là, elle est née d'abord de questions que posaient vos prédécesseurs, qui ont dit, mais pourquoi il y a des branches qu'au-dessus d'un certain niveau? Parce qu'il y a le forestier qui coupe. Puis après, je dis, ah oui, mais le forestier, ça s'est passé ici, cette histoire, sur 15 ans. Je me dis, mais c'est vrai, le forestier, dans un bois de chêne ou de hêtre, il ne coupe pas. Vous y êtes? Et là, je me dis, mais pourquoi? Et là, je me suis rappelé, comme mycologue, qu'on avait ces espèces dont on sait très bien qu'on les trouve sur le bois de telle espèce, mais jamais quand il est à terre. Toujours quand il est resté en place. Mais vous voyez, ça, c'est un truc complètement inexploré. Et il n'est pas exploré, pourquoi? Parce que ça se passe toujours comme ça, donc personne ne se pose de questions. Problème de l'ordinaire. Et en plus, ça débouche sur une absence, le problème de l'absence. Comme preuve d'un phénomène, ce phénomène, on va mettre du temps à le voir.
Et ça, c'est une des choses qui a retardé notamment, en tout cas, le fait que ça se passe ordinairement, ça a retardé la prise de conscience du rôle des microbes dans les fonctions ordinaires. Alors que c'était très facile de voir leur rôle dans la maladie qui n'est pas ordinaire, qui est extraordinaire. Ça va ? Donc il faut réfléchir aux implications cognitives de ça, et puis c'est un super exemple, et hyper simple, de rôle morphogénétique des microbes et de mort dans le développement, dans l'acquisition de la forme. Alors, le premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est cette idée que derrière le port ordinaire des arbres, d'accord, il y a une retouche microbienne. Et en particulier, vous voyez très bien que les jeunes arbres, ils font un buissonnement et que même si on suppose que le tronc maintenant il fait 10, 20, 30 cm de diamètre, il devrait dépasser les branches qui étaient là au départ de la croissance. Et chez les arbres introduits, là je vous présente des pins insignis et des cupressus qui sont introduits de Californie en Bretagne, et dans les peuplements denses, on voit très bien des branches mortes ou des branches moribondes qui sont sur la base de l'arbre et qui sont toujours là, qui ne sont pas partis. Assez bizarrement d'ailleurs, quand on regarde le bois mort à terre, on va se rendre à cet endroit-là, on voit que ces branches se décomposent très très bien. Mais dans la niche écologique plus sèche, plus xérique, comme on dit, où se trouvent les champignons quand ces petites branches sont encore sur l'arbre, là c'est une affaire de spécialistes. C'est-à-dire que ces organismes qui sont en fait des agents d'élagage, ces champignons qui sont des agents d'élagage, sont spécifiques, plus ou moins spécifiques de leur hôte. Et ce que l'on voit donc, c'est que dans les espèces introduites, eh bien, il manque souvent ces agents d'élagage, alors même que quand il est au sol, leur bois, dans des conditions donc où la disponibilité en eau est plus grande, leur bois peut être digéré. Alors, en fait, ordinairement, les espèces de chez nous, y a des champignons qui se développent dessus. Là, j'ai un champignon qu'un mycologue peut reconnaître comme un Wilhelmina comedens, qui dégrade des tiges de moyenne taille sur du chêne. Voilà. Il y a aussi une spécificité de taille. Bon, en tout cas, cette spécificité de taille, elle est intéressante pour un truc, c'est que quand ils arrivent au tronc, ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Et donc, quand ils arrivent au tronc, ils cessent leur travail, ils ont produit des spores entre-temps, et donc ils se sont reproduits, ils vont vivre sur d'autres substrats, mais ils autorisent, après la disparition de la branche, une cicatrisation, avec un bourrelet cambial qui va petit à petit se refermer. Ça donnera finalement une cicatrice, mais ça va refermer le cambium et permettre par la suite la croissance d'un bois qui n'inclut pas des branches qui lui seraient exogènes et qui ne seraient pas raccordées à sa fibre, un bois plus résistant mécaniquement et un bois dans lequel on a rebouché les points d'entrée possibles de maladies, de pourriture, de cœur du bois. Du bois, je veux dire du tronc. D'accord ? Parce que ces agents d'élagage n'y rentrent pas une fois de plus dans le tronc. Le vrai drame, c'est quand les arbres deviennent très vieux et qu'éventuellement, il y a des grosses branches qui cassent. Et là, ces grosses branches, les trucs qui s'installent dessus, ils sont capables de rentrer dans le tronc. Et là, l'arbre deviendra creux. C'est un truc de vieux. Ce n'est pas un truc qui va arriver avec les jeunes branches. OK ? Voilà, alors on a souvent ces images de branches basses en train de se faire attaquer. Alors, ces champignons qu'on va dire, ça profite si la branche est morte. Parasite de faiblesse si elle est encore plus ou moins vivante, mais affaiblie par l'ombre. Mais en réalité, tout ça n'est pas très sérieux, parce que si je regarde du point de vue de l'arbre, comme je viens de vous dire que c'est bon pour sa santé, parce que ça fait un tronc plus robuste et plus sain, en fait, du point de vue de l'arbre, du point de vue du tissu, on peut toujours dire ça. Ou de la branche attaquée, on peut dire ça. Mais en réalité, ce sont des mutualistes. Ça fait du bien à l'arbre. Et on voit comment, donc, dans le développement, la mort fait partie du développement et les microbes sont des inducteurs, des modificateurs, des agents morphogénétiques dans le développement. J'ai ici de la pourriture brune, cubique. Quand je l'agite, qu'est-ce qui tombe ? Désolé. C'est pédagogique, ça. Il tombe de la sciure. Il y a des insectes qui ont creusé des galeries. Et c'est quoi cette sciure ? C'est des déjections. En fait, ils avancent et puis ils chient derrière, ils remplissent leur galerie de sciure. Mais c'est bizarre, elle est comment cette sciure ? Elle est rougeâtre, exactement comme le bois. Et là, vous dites, mais il mange quoi cet insecte ?
Il mange du bois, mais il chie du bois broyé. Qu'est-ce qu'il a digéré? On sent le suspense insoutenable. Alors, on va changer de crèmerie, on va aller voir un autre truc, là. Alors, là, j'ai foutu un coup de pied dans du bois. Alors, d'abord, première chose, regardez, superbe mycélium, avec de très belles palmettes. Là, vous sentez du mycélium diffus, et là, en fait, c'était en communication, mais je les ai arrachés, sans doute avec des rhizomorphes. Bon, donc, superbe mycélium. Et superbe odeur de... Oh, alors là, tiens, viens sentir ça. Excellent. Ouais, donc ça pue le champignon, allez, faites tourner. Ça sent le champignon. Bon. Alors, dans ce bois, c'est une... Bon, ça c'est une pourriture alvéolaire, hein, regardez. C'est plein d'alvéoles, ouais. Alors, j'essaie de trouver dedans des insectes, des galeries d'insectes, et ça recommence. J'ai un machin qui bouffe du bois et qui chie du bois broyé. Est-ce qu'il digère le bois? Alors, il y a l'option un peu, c'est vrai que j'ai pas de bilan quantitatif, là, quand je vous dis ça. T'as raison. Mais en fait, ce qui se passe, les amis, c'est le grand mythe des insectes xylophages. Les insectes xylophages, ceux qui mangent du bois. Alors déjà, vous dites, la lignine, ils peuvent pas manger. Donc, quand je les vois, comme précédemment, faire des trous dans de la pourriture brune, donc là où reste que de la lignine, on voit pas très bien ce qu'ils peuvent manger. La cellulose, il pourrait la manger. Ah oui, mais merde, le problème, c'est que cette cellulose, elle est souvent liée à la lignine, donc elle n'est pas accessible. Vous y êtes? En fait, qu'est-ce qu'ils mangent, les insectes xylophages? Mais bien sûr, ils mangent des champignons, et puis des bactéries, et tu vois, des trucs qui viennent squatter un petit peu le bled, mais c'est ça. C'est à tel point qu'il y en a même qui n'avalent pas le bois. Alors, les Syrex, par exemple, qui sont des... Alors, c'est des insectes qui attaquent des arbres vivants, mais peu importe, ils attaquent... En inoculant des champignons qui vont se développer dans le bois et après eux, ils vont bouffer le bois. Et les larves qui font des galeries dans le bois, exactement comme celles qu'on a observées là, elles prennent du bois, elles le mâchent. Quand elles l'ont bien mâché, quand elles ont bien essoré tout ce qu'il y avait de jus cellulaire, de microbes et tout, elles le crachent, puis elles bougent comme ça dans leur galerie. Et il y a le crachat qui migre derrière, ce qui fait que ce qu'elles entachent derrière, c'est même pas des crottes, c'est... Enfin, il y a aussi des crottes, mais c'est surtout des crachats, quoi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, il se cache derrière la xylophagie des insectes une mycophagie. Et pour eux, elle est obligatoire. Pour nous, par exemple, nous sommes des mycophages facultatifs. C'est-à-dire qu'on peut manger des champignons ou autre chose. Voilà, vous voyez cet arbre qui est ici? Oui, donc je suis monté en haut de l'arbre pour vous descendre cette partie-là. Vous voyez qu'il y a dans l'arbre, il y a de nombreux gros trous, de nombreuses grosses cavités, surtout vers le haut, comme cette cavité-là. Qu'est-ce que c'est ça? Où ça? C'est des cavités de hibou? Non, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui fait ces trous-là? Ah oui, j'ai compris les ibis. Oui, non, les pivers, oui, c'est ça, les pics. C'est des insectes, des oiseaux, pardon, qui vont taper le bois pour aller chercher des insectes. Donc, vous la voyez, la chaîne alimentaire, là, qui se profile. Vous nourrissez, les champignons nourrissent des insectes et ces insectes nourrissent des pics. Quand vous entendez le pic en forêt, il vous raconte une histoire de champignons, en fait. Oui, il ne serait pas là sans ça. C'est toute une chaîne alimentaire. Et ça a cet intérêt, surtout à l'heure du repas, là, de parler de chaîne alimentaire, parce que, en fait, ça vous rappelle que les champignons, leur rôle écologique, il vient bien sûr de la façon dont ils se nourrissent. Au cours de cette sortie, on va envisager les impacts que ça a sur des plantes qui sont parasitées ou sur le recyclage de la matière organique. Mais ils ne sont pas que consommateurs, ils sont aussi consommés. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, nos assiettes avec le fromage, par exemple, hein, nous le rappelle éventuellement, mais ils ont aussi un autre rôle écologique, une autre fonction écologique, qui est d'être consommé. Bien, alors, j'en ai presque fini, j'ai plus qu'un seul atelier à vous livrer. Vous vous rappelez qu'on a dit que les champignons valaient aussi comme source d'aliments. Alors, ils valent notamment pour des trucs qu'on n'a pas rencontrés, mais que vous connaissez bien, qui sont les fameux vers qui rendent les champignons véreux. Bon, comme on n'a pas vu de fructification, et que ces vers se développent dans les fructifications,
Bon, ben, on n'a pas vu de vers. Ces vers appartiennent à un groupe assez intéressant, le groupe des mycétophilidés. Ce sont des diptères, vous les voyez là en train de s'accoupler, et les mycétophilidés, c'est une famille de diptères qui est capable, qui est obligatoirement mycophage au stade larvaire. Voilà, alors la mycophagie ne consiste pas qu'à manger des carpophores, elle consiste aussi à manger du mycélium, et c'est ce que font tous ces animaux, comme par exemple ici les larves de ce coléoptère, qui font des galeries dans le bois et qui chient du bois broyé, mais c'est le même bois, sauf qu'ils ont digéré les champignons qui étaient dans le bois. Là, c'est les larves de ce morimus. Ici, vous avez des galeries bouchées par de la poudre brune dans de la pourriture brune. Et c'est la même chose. Ce qui a pu être mangé, là, c'est guère que le champignon et éventuellement les quelques bactéries qui squattent, vous voyez, les microbes qui sont présents dans le bois. Alors, le Cyrex noctilio, lui, est particulier pour deux raisons. D'abord, souvent, les œufs, toujours les œufs sont pondus enduits de champignons symbiotiques. Le champignon va donc coloniser l'arbre. Et ensuite, c'est un peu d'une sorte d'agriculture d'insectes. Les larves vont se développer dans le bois en faisant une galerie, mais voyez qu'elles mâchouillent ce qu'elles ont pris et elles le crachent et elles l'entassent derrière. C'est-à-dire que parfois, la poudre qu'il y a derrière n'est même pas de la crotte d'insectes, mais du crachat de bois mastiqué. Et mastiqué pour en extraire, en fait, le jus cellulaire des champignons, voire des quelques bactéries qui sont là. Oui. Et donc, dans certains cas, il y a carrément des œufs qui sont pondus avec le champignon symbiotique, ce qui veut dire que si ça est une femelle, au moment de la mue imaginale, quand ça deviendra un adulte ailé, elle a des dispositifs de prélèvement du champignon dans le bois, pour pouvoir en mettre sur les œufs. Si c'est un mâle, en gros, il part avec ses spermatozoïdes, et c'est à peu près tout ce qu'il fait pour l'espèce. Ça va ? Alors, évidemment, tout ça, c'est le début d'une chaîne alimentaire, parce qu'après, vous voyez tous ces trous de pics, là, on l'a dit, il y a des oiseaux qui vont, comme les pics, qui sont xylophages, et qui vont boulotter ces insectes, et qui vont ensuite, enfin, qui sont donc un troisième échelon trophique dans une chaîne trophique basée sur du champignon. Donc le pic, hein, n'est-ce pas, il mange les insectes qui sont dans le bois, et ces insectes sont largement en fait nourris de champignons, donc il est au sommet d'une chaîne trophique, d'accord, où des champignons nourrissent des insectes et ces insectes peuvent nourrir des pics. Voilà, voilà. Il ne faut pas imaginer que ces insectes soient strictement xylophages. Ils avalent du bois, mais ne le digèrent pas. Et le pic, bien sûr, n'est pas xylophage. Il y a des tas d'animaux comme ce rongeur qui sont mycophages. Ouais. Et vous-même, vous êtes des mycophages comme lui, mais facultatifs. Là, on n'est plus sur les exemples précédents où c'était obligatoire. On est sur la mycophagie facultative, qu'on voit aussi pour des limaces, hein, qui mangent un petit peu, faisaient des détritivores par ailleurs. Et vous avez ici d'ailleurs une limace en train de manger de l'amanite phalloïde. Elle se portera très bien. Hein. Ce n'est pas le même spectre de toxines qui agit sur les limaces et sur nous. Et donc les gens qui finissent les champignons qui ont commencé les limaces, mauvaise idée. D'accord ? Il faut bien voir que les spectres de toxicité ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas un mollusque. Bon, donc ce n'est pas étonnant. Enfin, tout dépend de l'image que tu as de toi-même, mais... Voilà, donc l'idée c'est que, par contre, je pense qu'il doit y avoir des champignons toxiques pour les limaces, mais ils ne le sont pas forcément pour nous. Ça va ? Bon, alors la mycophagie facultative de l'homme, voilà plusieurs images. Ça, c'est une année avec vous, avec votre promo. C'est pas cette année, hein. Mais ça avait été super chiant parce qu'il y avait des girolles partout, donc tout le monde ramassait les girolles, personne n'écoutait. Les années où il n'y a pas de fructification, c'est trop bien, quoi, parce qu'on peut vraiment regarder le mycélium. Ça, c'est la truffe, pour vous rappeler quand même que ça peut faire vivre des régions. Il y a des gens qui vivent de vendre de la truffe. Ouais. Et ça, c'est en Afrique, bord de route. Alors, il y a à la fois des girolles qui sont pas mal, hein, et puis des gros champignons de termitières, ceux qui vivent en symbiose avec les termites. Et c'est pour vous dire, voilà, il y a des régions, d'accord, de cultures différentes par rapport à la mycophagie. Il y a des régions où on mange vraiment beaucoup les champignons, d'autres on ne les mange pas. Les Anglais, par exemple,
Les Anglais British, hein, les Britanniques au sens strict, ne mangent pas de champignons. Si vous allez voir les Welsh, les Gallois, ou si vous allez en Écosse, là, ça tond le champignon partout. OK ? Il y a aussi d'ailleurs des choses qui sont culturelles au niveau de quels champignons sont ramassés. Si vous allez en Pologne, par exemple, ils ramassent absolument tous les bolets, même les vieux. Ceux qui sont pourris et tout, ils s'en foutent, ils les sèchent et après ils en font des soupes qui sont une espèce de soupe un peu gluante, mais c'est super aromatique, quoi. Ouais. Nous, on ne ramasserait pas ça, puis ils ramassent aussi des bolets qui n'ont aucun goût pour nous. Par contre, ils ne ramassent pas l'amanite rougissante, qui est un comestible absolument délicieux. Et donc, même si vous le levez tard le dimanche, c'est tout tondu dans la forêt. Il ne reste plus un truc avec des tubes, mais vous avez encore de superbes amanites rougissantes. Voilà. Alors que dans les monts du Lyonnais, les amanites rougissantes, là, il faut se lever tôt, hein, pour les ramasser. Donc, il y a des traits culturels différents par rapport à ça. Hein. C'est une des choses, effectivement, qui est variable. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans cette sortie, c'est que, d'abord, j'y ai été obligé, c'est que les champignons, ils sont là et visibles, même, que ce soit par eux, par leur mycélium ou par leurs effets, même quand on ne voit pas les fructifications. Et d'ailleurs, c'est même mieux de ne pas voir les fructifications, parce que vous avez vu aussi qu'ils sont vraiment des agents actifs de l'allure et du fonctionnement de l'écosystème forestier. D'accord ? Et ça, ça se voit en toute saison, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir aussi la bouche des fois ou le nez, parce que ça se sent et ça se goûte, cette présence, elle est forte. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est une porte vers le monde microbien. Après, les autres choses microscopiques le seront vraiment complètement toujours, alors que les champignons émergent des fois dans le visible, que ce soit quand ils font des cordons, ou des lichens d'ailleurs, ou, donc de façon végétative, soit au moment de la reproduction, il y en a qui font des structures massives et visibles à l'œil nu. Et je trouve qu'ils sont pédagogiquement intéressants parce que ce sont des portes d'entrée vers le monde microbien. Évidemment, montrer des bactéries sur le terrain, c'est plus...